Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce lundi 4 octobre. Ici Jérémy Delsol pour votre émission Bonjour CAC 40 et DAX 40 avec Admirals. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour démarrer la semaine. Alors on va se pencher comme d'habitude rapidement sur le calendrier économique. Je vous glisse ici ce calendrier économique. On a eu quelques petites publications déjà. Alors réunion de l'Eurogroupe, on l'aura aussi au cours de la journée. Hein. Du côté du CHF, dans quelques minutes désormais, on aura le taux d'inflation et les ventes au détail. Donc on pourra aller voir aussi la paire US des CHF si ça vous tente. Il n'y a pas de problème avec aussi côté espagnol attendu la variation du taux de chômage dans à peu près une quarantaine de minutes. On aura sinon pas grand chose vraiment. On aura attention, et là on ne le voit pas sur le calendrier, mais on aura une réunion de l'OPEP attendue aujourd'hui. On en saura plus aussi bien sûr pour voir et analyser ensemble les cotations du pétrole du coup. On aura cet après-midi, sinon 16h, vraiment les commandes industrielles côté américain. Pas énormément de choses sur ce calendrier économique ici chez Admirals pour aujourd'hui. Mais voilà, on n'oublie pas que l'OPEP a bel et bien rendez-vous aujourd'hui. Et que du coup, ça va impacter les cotations. On va aller voir le graphique du pétrole avec le Brent ce matin. Si vous voulez qu'on voie le WTI, n'hésitez pas également à me le dire dans le chat ici. Justement, je vais venir sur ce chat, vous saluer tous. Ariane qui nous dit bonjour, bienvenue à toi Ariane. Didier également qui nous dit bonjour, Jérémy, bonjour à tous. Bienvenue à toi aussi Didier. Hein. On a aussi Zentok, HMD, Thiago, Pascal. On a aussi du coup Contrarien qui nous dit bonjour à tous. En forme pour de nouvelles aventures, ça fait plaisir, top, bienvenue à toi aussi. Nasser également qui nous dit bonjour Jérémy, à toute la famille Admiral Markets. Pouce bleu de la part de Nasser Ducamo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon trade à toutes et à tous, merci, bienvenue à toi aussi Nasser. Jimmy aussi, Paul, hein, Pierre, merci pour les pouces bleus, ça fait très très plaisir, bienvenue à vous tous. On a aussi Faustin qui nous dit bonjour depuis le Cameroun également. Domi, Zachary, Gérard également qui nous disait ici, je passe quelques minutes puis boulot, hélas, pas de soucis Gérard. En tout cas, ça fait plaisir que tu passes quelques minutes justement, juste nous faire un petit coucou, c'est top. Le replay sera en ligne tout de suite après aussi, si tu veux voir ce que ça aura donné que cette séance qu'on passe ensemble bien sûr. Zachary qui nous dit bon courage Gérard. Mohamed aussi qui nous disait que les pips soient avec nous avec un cœur. Bienvenue à toi Mohamed, ça fait plaisir. Bobo également, Arnaud pardon, qui nous dit salut la team. Gérard qui nous dit merci Zachary, après 3 semaines de congé, c'est un peu difficile. Oui j'imagine, la reprise est toujours particulière, mais ça va le faire. Juju qui nous disait bonjour à tous, bonjour Jérémy, bienvenue à toi aussi Juju, Thiago. On a aussi, hop, je remonte un petit peu, j'avais le volume à fond, j'ai sursauté avec la musique. ça réveille avant la séance, excellent. Excellent, on va aussi se pencher sur les graphiques dans un instant, je finis juste de dire bonjour à tout le monde. Myriam aussi, JC également qui nous disait bonjour de la Station Spatiale Internationale, ça fait plaisir, bienvenue à toi JC, j'espère que tu vas bien ce matin. Félixino qui nous disait aussi bonjour à tous et bonne journée, bon trade, merci à toi aussi. Ludovic, Franck, All Nature, CSL, on a aussi Dino, Pascal, Sparta, Vivien qui nous disait tous bonjour, Phil également. Corsa Max aussi, Arona qui nous disait bonjour à tous et que les points soient avec nous. Bonne semaine de trading. Merci, bienvenue à toi aussi, Arona. Trading qui nous disait bonjour Jérémy et bon début de semaine et formation depuis la Côte d'Ivoire. Ça marche, trading. Avec plaisir. Je pense que j'ai dit bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien ce matin. On va démarrer tout ça ensemble et je reviens sur le chat dès que possible. Alors, les graphiques ici, on va parler du JP225 dans un premier temps, comme d'habitude. JP225, le Nikkei 225, qui ne cesse de récupérer d'un mouvement d'une large amplitude dont on avait pas mal parlé ici, qui était parti d'un mouvement de contre-tendance. On arrivait du coup à vouloir poursuivre cette tendance par le haut et on a été incapable de partir au-delà du sommet précédent. Et on a commencé à consolider pour ensuite casser par le bas. Donc désormais, on est plus dans des mouvements de baisse, largement élancés sous les 29 400, sous le point pivot mensuel en l'occurrence. Quand on va passer sur le graphique horaire, on va s'apercevoir que cette zone de range est largement cassée en concordance avec ce fameux point pivot et les 29 400. On a su aller tester un support autour des 28 700, réagir un petit peu et mieux continuer cette baisse actuellement pour travailler la cassure du nouveau support horaire ici des 28 300 points. Je rajoute la touche PVT ici, on va voir qu'on a des concordances avec un support S2 du jour, tandis que la résistance du moment des 28 700 concorde avec un support S1 désormais cassé qui passe aussi résistance. Donc on est sous le point pivot du jour, on évolue à la baisse ici, et on a eu une séance asiatique assez intéressante côté vendeur, clairement. Donc on va voir si le ton se transmet, j'ai envie de dire si ça se poursuit côté européen. En attendant, on regarde un graphique DAX 40 qui est très parlant sur cette tendance baissière journalière dont on avait énormément parlé, juste en suivant des choses très simples, du technique,
de la théorie de dos avec des vagues et des impulsions qui suivent donc un principe dans lequel on va évoluer de manière directionnelle à la baisse puisqu'on a des impulsions plus importantes que les corrections et qu'on fait une théorie d'eau baissière. Pareil, hein, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la théorie d'eau, je vous invite à me le rappeler dans le chat et je vous enverrai l'article complet avec sa vidéo sur cette théorie d'eau. Donc là, on est toujours sur un niveau intéressant, dans une zone en fait, je devrais dire intéressante, c'est le test du dernier creux journalier. On a bien vu la réaction au cours de la séance précédente, hein, ici avec cette mèche de vendredi. Là, on est déjà orienté sur de la baisse pour le moment aujourd'hui, mais ça va vraiment être la zone à tester. La zone à casser, à terme ce sera même la zone, alors un petit peu plus bas vraiment, hein, ce sera le niveau psychologique des 15 000 points qui se trouve ici, mais avant ça, ben, c'est vraiment une zone aussi qui va tourner autour d'une centaine de points, c'est normal, on est sur un graphique ici journalier, donc en fait une zone en journalier, ça peut facilement représenter une centaine de points. On passe sur le graphique horaire. On rajoute la touche PVT ici, on s'aperçoit que à plus court terme, on reste limité vis-à-vis d'une résistance, les 15 250 et d'un support, les 15 025 points. Le support S1 est un petit peu aux abords de ce support des 15 025, tandis que par contre la résistance R1 est quant à elle assez éloignée, hein, de ma résistance à moi des 15 250. On va parler pour la R1 des 15 341 à ce moment-là. Moi, je voudrais même parler des 15 350 points. En tout cas, on est sous le point pivot du jour et on est limité entre ces deux zones. Donc, bien sûr, on va faire attention puisque si on réagit en termes de support ici, on va commencer à ranger tout simplement. On a des tests sur une résistance qui se maintiennent. On aurait des tests multiples sur un support du coup qui pourrait faire office de borne basse. Donc, on pourrait commencer à ranger si on est incapable de continuer et de casser par le bas. Il faut savoir que les 15 025 ici, donc c'est forcément 25 points avant le niveau psychologique dont je vous parlais, des 15 000 points testés un petit peu dans la mèche précédente. Donc, ça va être très intéressant de voir si le marché est capable de continuer à la baisse. À l'heure actuelle, on sort un petit peu d'une zone de consolidation, on reteste côté extérieur la borne basse, mais ça c'est de l'avant open, on verra si ça remet pas un petit peu tout ce scénario en jeu, puisque l'open qui peut susciter bien évidemment des retournements de tendance, créer une nouvelle tendance, etc. etc. Donc là, voilà, on en est un petit peu dans une zone de range. On va trouver une borne basse en 5 minutes hein, sur les 15 125, une borne haute sur les 15 180, tout simplement à l'heure actuelle en train d'être retesté ici par le bas. On restera sur du 1 minute pour voir ça dans le détail sur l'open. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 est quant à lui également dans une tendance baissière, vous vous rappelez des sommets, des creux de plus en plus bas, et également en train de tester vraiment le creux du coup journalier précédent. On va parler d'une zone qui va tourner entre les 6340 pardon, et que je vous dise pas de bêtises, 440 bien sûr, et les 6390. Donc là, on va faire très attention aussi. On a eu une séance haussière en l'occurrence ici qui a rejeté la zone, mais là, on va voir aussi si le marché aujourd'hui ne veut pas relancer cette tendance baissière. En l'occurrence, on est déjà en rejet avec en plus un gap baissier depuis la zone résistance des 6550. Là, on s'était arrêté vendredi. En plus, en concordance avec le point pivot mensuel. Si je rajoute les points pivots journaliers, on est en plein dessus à l'heure actuelle avec notamment le test des 6500. Je vous l'ai mis en résistance parce que tout à l'heure, on était en train de tenter la cassure, mais il nous reste encore 19 minutes et 50 secondes pour voir concrètement la clôture de cette bougie. Donc, on va voir si on a bel et bien une résistance ou un support. Ce qui est sûr, c'est que les 6500 ce matin sont très importants du coup sur le CAC 40. On continue ici. Du coup, dans le détail un peu plus, vous voyez vraiment le détail de ce gap ici. Donc, plusieurs possibilités. Maintien ce matin des 6500, comblement de gap qui nous entraîne sur le test de la résistance par le haut. Ou sinon, eh bien, on reteste le dernier creux et on arrive à casser. À ce moment-là, on s'élance en direction du support S1 et des zones de structure précédentes qu'on verra en temps réel, bien sûr, dans notre séance. Voilà un petit peu le contexte sur le CAC 40 pour ce matin. On part sur du coup l'actif boursier britannique, le FTSE 600, qui est également dans sa tendance baissière. Très très joli respect et plusieurs tests hein, vraiment avec de belles mèches ici en journalier de la zone résistance des 7100 points. On a donc une théorie d'eau ici, donc le comportement et l'interprétation vraiment des acteurs de marché à travers la lecture graphique nous indique que les vendeurs sont prédominants sur ce marché-là encore à l'heure actuelle. On est en train de travailler le point pivot mensuel. On va passer
rapidement sur un graphique horaire, rajouter les points pivots du jour et on va voir qu'on rejette à l'heure actuelle les 7050 pour faire un test support non loin de là sur les 7015 points. On a le point pivot mensuel en train d'être franchi, le point pivot du jour on est déjà en train de le rejeter puisqu'on est en dessous. Attention, vous voyez qu'on a quand même des zones relativement limitées, cette zone support hein, vraiment des 7015 points avec juste en dessous les 6990 représente vraiment une zone support bien travaillée ici, travaillée par là et la première zone ici déjà bien travaillée également et en train d'être du coup vraiment à nouveau testé et on voit que pour l'instant ça réagit. Bon, on a 18 minutes avant l'open, on va voir si cet open nous permet vraiment de casser la zone ou si au contraire on va ranger. À ce moment-là, attention, 7015 par le bas, 7050 par le haut, et si on arrive à casser par le haut, on aura des mouvements de récupération sur les sommets précédents, une belle zone résistance R1 avec un niveau psychologique majeur journalier, les 7100 points. On va aussi passer sur du 5 minutes, voir le détail, hein. C'est vrai que pour l'instant ça ressemble un petit peu aussi à ça en test côté extérieur, donc on va pouvoir mettre ça en place aussi un petit peu comme ceci. Voilà où on en est clairement sur le FTSE 100. Avant de passer sur les marchés US, je reviens du coup ici sur le chat. On en était où? Christian qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi aussi. Christian, Islem, Abed aussi, bienvenue à vous tous. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Trading qui nous disait selon mes analyses, Euro USD va chuter des 1,1483 avant de remonter. On va passer sur l'euro dollar, il n'y a pas de souci, on ira voir ça. Félixino qui nous est des pouces bleus, les gars, n'oubliez pas, merci beaucoup, déjà 45 likes, ça fait bien plaisir pour démarrer la semaine. Merci à toi aussi Félixino, bien sûr. Walid qui nous dit bonjour tout le monde, info Euro USD H4. On va passer hein, sur l'euro dollar, t'inquiète pas, si tu veux je passerai sur le H4 en plus. Mathéo, pardon, qui nous disait bonjour tout le monde, merci à toute l'équipe de Admiral Markets. Avec plaisir Mathéo, bienvenue à toi. Philippe aussi qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi Philippe, j'espère que tu vas bien. Capé qui nous dit bonjour à tous, enfin un live où je suis au début, parfait, n'hésite pas, en profitant si tu as des questions. David aussi qui nous dit bonjour avec des pouces, bienvenue à toi David, ça fait plaisir. Rafko qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à tous, pensez-vous que l'or va remonter à 1900 ou continuer de baisser et à combien de temps, quels sont les facteurs qui influencent son prix, merci pour tout. On va parler de ça, Rafko, pas de souci. Quand on passe sur le graphique, on va juste faire les marchés boursiers américains avant de partir sur le gold. En tout cas, bienvenue à toi, ça fait plaisir que tu sois là. Bête qui nous disait aussi, je voudrais venir chez Admirals, mais je voulais savoir si les spreads sont fixes ou pas, et surtout, est-ce qu'on trade réellement sur la bourse ou est-ce qu'on trade contre le broker? Alors, chez Admirals, tu trades sur la bourse, on n'est pas market maker, donc tu vas pas trader contre le broker. Si tu veux savoir par rapport au spread, il faut savoir que ils vont être c'est des spreads typiques serrés, c'est-à-dire qu'on va les avoir fixes tout au long de la journée, mais on les appelle pas fixes parce qu'ils vont changer aussi en fonction des horaires, c'est-à-dire que des spreads de nuit, ça va pas être les mêmes que tes spreads en séance. Et au cours de la séance, tu vas avoir très rarement des variations. Il faut vraiment que, par exemple, comme on a eu la période du Covid, on l'a vécu live ensemble, on avait des spreads qui ont changé. Mais ça, c'est parce que les conditions même du marché changeaient pendant les premières phases de cette crise sanitaire. Donc voilà par rapport à ça. Loïc qui nous disait bonjour à tous, je suis deg de ne pas pouvoir utiliser l'édition suprême sur Mac. Alors Loïc, est-ce que tu es passé par Parallels ou Bootcamp du coup pour essayer d'utiliser l'édition suprême? Cédric qui nous dit bonjour Jamy, tu peux analyser le BTC, c'est prévu Cédric, pas de souci. Jackie qui nous dit aussi bonjour, bienvenue à toi Jackie. Samir également, MM Kant, ça fait plaisir. Benjamin et Viviana Delsol qui nous dit oui, discipline and consistency, everything is possible. Bienvenue à toi brother, j'espère que tu vas bien. Et aussi KP qui nous dit serait-il possible d'expliquer quelques figures de style graphique? Alors on va en reparler, si tu veux j'ai un article complet et j'ai même une première vidéo sur le sujet. On en reparle dans la séance, n'hésite pas à caper. Allez, on continue ici sur la bourse américaine. Je vous le disais, le S&P 500, un S&P 500 ici qui va, alors hop, on va juste actualiser le graphique en 2 secondes. Voilà, hop, ça s'actualise. Je repars juste sur le graphique ici journalier, un S&P 500 qui est dans une tendance baissière, comme le DAX, comme le CAC, comme le FTSE. On est sur des marchés boursiers à l'heure actuelle, attention, qui sont en tendance baissière. On a du coup ici des sommets, des creux de plus en plus bas. On respecte des résistances. Je parle notamment pour le S&P des 4480. Résistance R1 mensuelle au passage. Et là, on est toujours dans la phase de test concrète du creux précédent. C'est un petit peu la même histoire comme vous pouvez le voir avec les autres actifs. Quelque chose qu'on va retrouver en commun ce matin sur ces actifs du coup américains, c'est la zone de range précédent dans laquelle on est revenu travailler la partie médiane et dans laquelle on essaye en fait de repartir par le bas en maintenant la cassure borne basse qui passerait à leur résistance. On parle des 4350 points sur ce
S&P 500. Donc là, en fonction du test du dernier creux, on aurait un élan baissier qui pourrait être renouvelé étant donné le contexte journalier, le contexte horaire qu'on a ici sous nos yeux. En termes de point pivot, ça correspond ce dernier test avec le point pivot du jour. En cas de cassure, bien sûr, on a un S1 non loin des creux précédents, très intéressant, ça va tourner autour d'une zone des 4300 points, niveau clé psychologique aussi. On part sur le Dow Jones désormais. Très joli respect également d'une résistance majeure journalière ici des 34 900 points. On a toujours ici ce principe du coup d'un marché baissier, des sommets, des creux de plus en plus bas. Mais pour autant, le même caractéristique ici, respect pour le moment encore du creux précédent. On revient du coup tester le point pivot mensuel. Et sur le graphique ici, horaire, on a le même principe, je vous le disais, la zone de range précédente, testée. Alors même là, ici, un petit peu au-dessus de la partie médiane, on parle des 34 450 points, mais juste en dessous, on a le point pivot mensuel, et là, on a la tentative de ressortir, pareil, maintenu pour l'instant par le point pivot du jour. Donc si on n'arrive pas à sortir par le bas, vous l'avez compris, hein, je ne l'ai pas dit sur le S&P, mais vous commencez à voir un petit peu les scénarios que je mets en place. Trading du coup en réintégration du range précédent, et si on ne veut vraiment aller nulle part aujourd'hui, on va rester limité entre le point pivot du jour et le point pivot mensuel, tout simplement, comme on est déjà en train de le faire. Voilà pour les trois scénarios sur les marchés américains. On va voir bien sûr ce que ça donne, hein, sur du coup le Nasdaq 100 aussi. J'actualise rapidement le graphique, voilà. La touche HLS pour les points hauts, les points bas. Ici, on a déjà su casser le creux précédent. Donc, on est du coup d'autant plus dans une tendance baissière puisqu'on est du coup sur des creux plus bas que le creux précédent. Sur le creux, je devrais dire, plus bas que le creux précédent. Depuis, un respect et un rejet de la résistance majeure journalière des 15 400, la R1 du coup mensuelle désormais. On va avoir le même principe ici, ancienne zone de range, on est revenu travailler la partie médiane et on essaye de s'en extirper par le bas. Le point pivot en revanche sur le Nasdaq 100 qui est déjà cassé. Attention au S1 non loin des structures de marché précédentes. Donc voilà où on en est côté US. On passe au gold. Alors le gold très intéressant puisque encore dans sa tendance baissière journalière. Ici ce qu'on a, c'est qu'on a toujours des cotations et des échanges qui se font sous les 1780. La dernière résistance ici majeure journalière depuis bien ce dernier test. Ici on réalise bien des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas également. Et on a été échangé jusqu'au creux ici des 1721,70 à peu près. Le souhait désormais, c'est de respirer en direction d'une résistance, voire du point pivot mensuel à l'heure actuelle. On va passer sur le graphique ici, sur le graphique horaire, et on va s'apercevoir que le contexte à l'heure actuelle, pour moi, c'est celui d'un range horaire. On va avoir une résistance non loin, borne haute, en tout cas avec un accord, hein, je devrais dire, d'une résistance, les 1765, la R1 du jour d'ailleurs qui est un petit peu au-dessus. Vous voyez ces mèches qui ont déjà travaillé un petit peu cette zone-là. Tout ça, c'est une zone résistance qui tourne autour des 1765. Du côté de la borne basse de cette zone de range, c'est pareil, on a les 1750 avec le support S1 et borne basse de la zone de range. En plein milieu un petit peu de tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a le creux du moment et on a le point pivot journalier. Pleine, du coup, hein, vraiment pleine et entière zone de range, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, du coup, sur ce graphique horaire. On avait des questions sur le gold, ça me fait penser que on a un article complet sur le gold, justement, où tu pourras prendre le temps de regarder tout ça. Je vais te l'envoyer. Voilà. Hop. Je vous l'envoie directement dans le chat. On en reparle tout à l'heure si vous voulez, mais on ne voudrait pas rater l'open dans moins de 10 minutes. Donc voilà par rapport au gold. Voilà où on en est à l'heure actuelle, hein, sur le gold, dans une tendance baissière. Vraiment, pour rechanger cette tendance, il faudra savoir casser les 1780 et surtout, développer une tendance haussière. Ce n'est pas parce qu'on casse des résistances qu'on part à la hausse, qu'on est dans de la tendance. Ici, du côté du pétrole, en ce moment, on est toujours dans une tendance haussière du côté du pétrole. Ça monte, ça monte, ça monte. Au-dessus des 76, on va passer sur un graphique horaire rajouté à la touche PVT. Je vous ai mis ici également une zone de range assez large, mais respectée plusieurs fois sur une borne basse 77,50, support S de journalier qui corrobore ce niveau-là, et borne haute, résistance des 80, niveau psychologique, rejeté une fois, deux fois, trois fois, et là, une dernière fois en plus pour revenir à l'heure actuelle en tentative de test du point pivot journalier. Alors, il faut savoir qu'il y a la réunion de l'OPEP, hein, justement,
attendue aujourd'hui. Et du côté du pétrole, cette OPEP peut nous réserver, alors pas des surprises, mais du coup, hein, selon des sources Reuters, on pourrait avoir les informations comme quoi les pays producteurs envisagent, au-delà des accords qu'ils ont déjà fait dans le passé, d'augmenter la production du coup du nombre de barils par jour de 400 000. Donc, on va voir si ça se confirme selon ces sources ici, suite à la réunion de l'OPEP+ d'aujourd'hui. Donc voilà du côté du pétrole. Sinon, je ne l'ai pas mentionné, mais ici, vous savez que le dossier du moment, c'est aussi Evergrande du côté asiatique. On va avoir apparemment aujourd'hui un rachat de participation en fait d'une autre société, le groupe Hobson Development, qui va du coup prendre apparemment 51% des participations d'une filiale d'Evergrande. Et du coup, ça pourrait aussi permettre vraiment de commencer à décoincer la situation du côté du marché asiatique avec cette société promotion immobilière, hein, Evergrande, dont on a déjà parlé ensemble, qui inquiète lourdement puisque très très endettée et beaucoup beaucoup de banques, hein. J'allais dire de comptes bancaires, mais c'est plutôt des banques qui sont du coup dans ce dossier-là, puisque ils avaient fait crédit justement à ce gros groupe immobilier asiatique. Donc très important. Sinon, pour finir hein, sur ce petit point un peu plus fondant, on a eu aussi en fin de semaine dernière une société américaine, Merck & Co, qui a du coup annoncé qu'ils étaient en train de faire un développement. Alors, développement d'un traitement contre le Covid, mais attention, ils sont ensuite dans les essais cliniques. Mais ça pourrait du coup réduire d'environ 50% la probabilité d'hospitalisation et même des décès des patients qui représentent des risques élevés, voire même de développer carrément la maladie. Donc voilà des informations qui boostent aussi les marchés, en tout cas côté américain forcément, vendredi dernier. Allez, on continue. Donc le Brent ici, attention, trading range, hein, la résistance vraiment du moment, c'est les 80. On va avoir ce point pivot de l'autre côté. Partie médiane un peu autour du support S1, sinon le test de la borne basse avec les 77,50. Il est temps de passer au Forex à 7 minutes de l'open. On va regarder tout ça ensemble. Je reviendrai sur le chat dès que possible, bien évidemment. Le Forex ici, on est du coup dans un marché qui casse une résistance. C'est pas un super marché dans une tendance baissière, dans un escalier baissier. On casse un peu par le haut, on casse un peu par le bas. En tout cas, on aurait besoin de respirer, revenir chercher un point pivot et idéalement les 1,1685 pour tenter de poursuivre la cassure et en fin de compte réaliser un sommet plus bas et en fin de compte pouvoir décliner une belle tendance baissière. À plus court terme sur le graphique horaire, ce qui se passe, c'est qu'on sort de la zone de range précédente. On a ici, vous le voyez, le support des 1,1590 qui marque encore le soutien. On reste à court terme bloqué par contre sur les 1,1610. Juste au-dessus, ce qu'on aura, c'est les 1,1625. Les points pivots, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Ils vont concorder vraiment, enfin, je ne vais pas inventer des mots, mais ils sont en concordance avec du coup les 1,1590 pour le point pivot en soutien. Et la résistance R1, elle, se trouve sur les 1,1610. Quasiment. Donc on risque d'être dans un trading en range à l'heure actuelle dans cette zone-là jusqu'à preuve du contraire. Donc je vais pouvoir vous décaler ce rectangle ici et vous mettre la zone de range du moment qui à mon sens a toute son importance pour ceux qui sont sur l'euro dollar, sur des graphiques horaires, etc. Puisqu'on est dans un trading en range clairement ici, borne haute, borne basse respectée jusqu'à preuve du contraire, c'est du trading donc en range. On ira voir ça de temps en temps. Ce matin, GBPUSD également sorti, vous rappelez, de cette zone de range par le bas. Lui, en l'occurrence, hein, pour ma part, c'est plutôt déjà dans un marché en tendance baissière dans lequel on se trouve. Idéalement, un retour sur les 1,36 avec un point pivot mensuel, une belle résistance, de quoi du coup peut-être pouvoir marquer des rejets, continuer cette tendance journalière par le bas. Ce qu'on a du coup à l'heure actuelle, par contre, c'est un trading en range également. Sans grande surprise, on va passer sur le 5 minutes et on va s'apercevoir du nombre de respect de la borne haute et de respect de la borne basse qui concrétise clairement cette zone de range. Donc ici, la borne haute va se situer sur les 1,3575 et on a une borne basse sur les 1,3535. Donc tant qu'on ne sort pas de la zone, attention aux conditions du trading en range. Donc borne haute, borne médiane et borne basse, mais borne médiane, on y est quasiment déjà et c'est la zone la plus dangereuse. L'USDJPY en respiration suite toujours à une très belle cassure des 110,50 qui nous a entraîné jusqu'au niveau des 112,08. On va avoir donc une phase de respiration ici qui va se traduire sur les plus petits graphiques par du coup de la tendance baissière, des sommets, des creux, etc. de plus en plus bas.
Par contre, vous voyez, on commence à stagner, on commence à avoir du mal à continuer cette baisse. Et là, on est dans une phase à nouveau de consolidation sur ce marché-là. Donc, soit pour continuer la tendance imminente, j'ai envie de dire, du graphique horaire, pour aller déjà sur le PP, mais ça sera très limité avec les 110,80, avant sinon les 110,50. Sinon, trading en range, là tout de suite maintenant, bien évidemment, entre une borne basse des 110,88 à peu près, une borne haute des 111,12. Et sinon, si on arrive à ressortir par le haut, eh bien, on aura du coup ici déjà un test résistance à aller chercher avec la résistance notamment des 111,25. Donc attention ici à la sortie possible par le haut en l'occurrence. Voilà, on en est clairement sur l'USDJPY en graphique horaire. On passe sur l'USDCAD qui revient tester à nouveau cette oblique ici, oblique haussière. On reste limité toujours par rapport à de la résistance. Bref, ça consolide. On n'est pas clairement dans une très très belle tendance. Si on veut aller sur du plus court terme, on peut y voir, oui, une tendance haussière avec des creux et des sommets et des creux respectés à l'heure actuelle. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le contexte général, il est comme celui-ci, une oblique haussière et une belle résistance qui bloque les 1,28-1,25. On passe sur le graphique horaire, on va dézoomer un tout petit peu, rajouter les points pivots du jour, et on va s'apercevoir de plusieurs petites choses. On a une zone support ici, autour des 1,26, un niveau psychologique sur lequel le support S1 du jour corrobore, hein, ici se pose aussi, j'ai envie de dire. L'oblique un petit peu avant nous marque déjà un double test, donc un double creux du coup en train de se former ici. On est sous le point pivot du jour. Donc là, tout ça, c'est une zone support possible jusqu'à preuve du contraire. Si on casse la zone, en effet, on pourra ensuite parler d'une cassure et d'une poursuite de la baisse. Mais pour l'instant, c'est une zone qui est défendue, les 1,26 et même un petit peu au-dessus les 1,26,15 à l'heure actuelle. Donc voilà, on en est également sur l'USD-CAD en rebond possible si on arrive à casser les derniers sommets. On part sur du Bitcoin. Le Bitcoin rapidement, juste en H4, pour vous montrer ce qu'on disait déjà aussi la semaine dernière et où on en est. On parlait d'une zone de range. Zone de range qui s'est maintenue ici. On n'a pas su concrétiser la cassure par le bas, on arrivait par le haut, on aurait aimé sortir par le bas, pourquoi pas. Au contraire, on est sorti par le haut, donc un breakout haussier passant au-dessus du point pivot mensuel et on a été s'arrêter sur la résistance et les sommets précédents ici. Je vous parle des 48 500 sur du coup ce Bitcoin. Si on rajoute les points pivots, on est sous le point pivot du jour en train d'aller tester le dernier creux avec son support S1. Bref, vous avez compris, ça consolide un petit peu comme on le faisait ici la fois précédente, donc une zone de range à l'heure actuelle. Borne haute 48 500, borne basse 47 000 sur ce Bitcoin, clairement ici. L'Ethereum, rapidement, c'est un petit peu la même histoire. On est sorti par le haut de la zone de range dont on avait parlé la semaine dernière en cassant les 3150 pour aller s'arrêter sur la résistance 3450. Et désormais, on a un, deux rejets. On est en train de tester un petit peu la zone support précédente qui va se trouver autour des 3335. Si on arrive à céder sous la zone, attention au creux précédent pour ensuite un test des 3150. Si on maintient, attention à la résistance du moment autour des 3450 points, tout simplement. Voilà pour le petit point aussi des cryptos à 2 minutes de l'open. Je vais mettre les graphiques en place histoire de ne pas louper cet open. On va descendre quand même sur du 5 minutes aussi pour le gold, aller voir ça de temps en temps. Le FTSE, il est là, tout en M1 parfait ici. Le GBP USD en 5 minutes. On peut même descendre sur du 1 minute sur le GBP USD et on va aller voir ce que cet open nous réserve. Je vais revenir sur le chat dans un instant. On va regarder aussi ce qui se passe un petit peu du côté des graphiques Renko LTR. On est dans de la tendance baissière désormais sur le graphique 6.10 du coup pour cette semaine. Des tailles qui évoluent, on a de la volatilité, donc les tailles qui vont augmenter pour absorber cette volatilité aussi en l'occurrence. Hop, je vais diminuer ça. Du 2.3 cette semaine pour le FTSE 100 en équivalent 5 minutes et du 2.7 sur le CAC 40. On a aussi du gold ici qui va ranger pour l'instant ce gold. On va juste regarder ça comme ça. On est en train de ranger puisqu'on a du mal avant l'open à continuer de faire des creux hein, sur le petit graphique du 3.8 sur le DAX 40. Et on a un CAC 40 qui lui évolue toujours dans sa tendance baissière par contre. Voilà, l'open qui va pas tarder. Je vais revenir sur le chat ici. Contre rien qui de perso, je ne pense pas que les figures chartistes soient très importantes pour le scalping. Je scalpe lorsque je prends une position journalière afin. Je scalpe lorsque je prends une position journalière afin de me protéger en regardant les figures du coup en D1 et en H4. Ça marche. Alors, après, ça dépend aussi hein, des outils que tu vas utiliser. On a l'open qui est en train de se faire sa part du coup à la baisse pour l'instant. On va revenir hein, parler de ça si tu veux, il n'y a pas de souci. On va essayer de relancer la baisse ici pour l'instant. On est légèrement sous les 75. Ça peut aller très vite sur ces mouvements d'open.
Donc là, on a un DAX autour des 64. On a le CAC 40 autour des 80 pour l'instant en train de tester ses derniers creux. On a un GBPUSD qui décide de partir à la baisse. Alors je vous disais, une réaction un petit peu autour de la partie médiane de la zone de range. Du FTSE 100 qui veut baisser un peu. Qu'est-ce qui se passe sur le gold, sur l'open pour l'instant? On va avoir ici le test du point pivot du moment. Alors ça va, je vous montre, hein, ici ça commence à ranger déjà, puisqu'on n'a pas su faire un creux vraiment plus bas que le creux précédent. Je vais juste remettre à jour aussi tout ça. Ah, c'est dommage, ça va très vite, j'étais en train de paramétrer, mais là on a de la poursuite sur de la baisse déjà pour un petit scénario qui donne. Le petit graphique 3.8 reste dans la tendance baissière pour l'instant. Juste aller finir de paramétrer un petit peu tout ça. Pour mettre 50% sur la sortie partielle. Numéro 2, TP en magenta quand même, hein, histoire que vous voyez le tout. Voilà, la baisse qui se poursuit. Très joli mouvement sur le petit graphique 3.8. Ici, on a eu un double sommet et ça a donné de la poursuite à la baisse. Donc, je finis mon petit tour des assistants ici pour bien les paramétrer. Et je vous ferai d'autres exemples. En tout cas, c'était une belle poursuite de la baisse, tant pis. Faut que j'enregistre tout ça pour être sûr de, voilà, de l'avoir le matin. Du coup, voilà, on en est là. Donc, une open qui se fait sous le signe de la baisse. Pour l'instant, ça descend, ça respire, ça descend. Les respirations qui permettent d'obtenir des prix plus avantageux dans des marchés directionnels. On va voir si l'élan baissier peut continuer. Pour l'instant, on va revenir sur les graphiques plus standard ici. On a un CAC 40 qui a envie de continuer la baisse également. Il reste dans son billet baissier, hein, ce CAC. Alors d'ailleurs, il faut que j'aille... Hop. Remettre tout ça en place aussi au niveau des stops et des TP. Ça range un petit peu, on n'arrive pas à faire un creux plus bas à l'heure actuelle, attention quand même. Je vais vous remontrer ça ici, voilà, ça commence à re-ranger puisqu'on n'arrive pas à faire des creux plus bas. Histogramme qui passe en gris directement, on va voir ce qu'il en est sur un DAX 40. Est-ce qu'on va réussir à franchir le support S1 du jour concrètement? Je vais revenir sur le chat, hein, dès que possible ici. On est dans de la tendance baissière aussi sur le FTSE 100. On va voir si on a un petit mouvement de baisse sur le FTSE 100 ce matin. Revenir sur le S1, non loin du niveau psychologique des 7000. Ça consolide toujours sur le DAX. Le CAC 40 qui commence à consolider aussi. On teste la borne basse. Les derniers creux en fait, hein, sur le DAX. Michel qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Michel aussi. JM qui nous dit est-ce que les graphiques sont les mêmes sur toutes les plateformes? Merci. Alors non, sur alors tu as des graphiques standards, hein, les graphiques en temps, tu peux retrouver à peu près les mêmes justement sur différentes plateformes de trading. Mais par exemple ce que j'ai ici, c'est tout à fait particulier puisque c'est un développement que j'ai fait moi-même. J'ai fait faire, hein, je ne suis pas codeur bien évidemment, mais c'est quelque chose que j'ai fait développer qui ne se trouve pas sur toutes les plateformes clairement de trading. Mais dis-moi si tu veux en savoir un peu plus. Jean qui nous dit bonjour à la famille Admiral, je suis heureux d'être parmi vous. Bienvenue à toi Jean, ça fait plaisir. Plaisir partagé, j'ai envie de dire. Vraiment, ce matin on est déjà 145. Merci à vous tous d'être là en début de semaine. Sniton qui nous dit aussi bonjour, bienvenue à toi. Freddy qui nous dit bonjour Jamie, bonjour à toute la communauté. Bienvenue à toi aussi Freddy.
Alors ce foutissant pour l'instant qui ne veut pas respecter les 7015 hein, qui étaient résistance, on va voir hein, désormais, mais c'est vrai qu'on a de la consolidation hop, qui persiste ici et là. Ça hésite, le CAC 40 qui n'est plus dans de la tendance non plus. Il n'y a que le FTSE 100 qui demeure encore un peu dans la tendance. Et on va voir si on arrive à respecter la résistance 7015 pour continuer un petit peu plus bas. Mais pour l'instant, il a du mal à descendre, ce FTSE 100. Ça consolide beaucoup sur le CAC. Hein, regardez ici, le CAC il est là. Le DAX 40, pardon, il est ici. Ça consolide énormément depuis qu'on a cet histogramme gris, aussi bien sur le graphique 6.10 que sur le graphique 3.8. Donc attention, on est dans du trading en range pour l'instant. Islem qui nous dit le gold s'il te plaît. Alors le gold ici, on l'a vu, il est dans son trading de range. Attention, en train de vouloir passer sous le point pivot du jour, direction possible. Le S1 idéalement c'est 1750 hein, pour le moment. Capé, tu nous dis, j'avoue avoir du mal à les repérer en scalping. Les figures chartistes, bah, c'est parce que ça va plus vite, hein, clairement. Ça va plus vite le scalping, c'est pour ça qu'il faut être plus expérimenté. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple, on va prendre un exemple très, très simple. Un graphique en équivalence 1 minute. Ici, on a une figure chartiste double sommet. Ça va vite, mais cette figure chartiste, elle est là et elle a un certain intérêt, puisqu'on voit qu'on a une amplitude de mouvement derrière ce matin qui a donné 27 points. Pas toujours le cas, bien évidemment, mais les figures chartistes sont sur les marchés présentes un peu partout, puisque peu importe l'unité de temps sur laquelle vous vous trouvez, on va pouvoir les retrouver, c'est le cas de le dire. Par contre, il faut être conscient que plus vous descendez sur des petites tailles ou des petites unités de temps, et plus il y a du bruit sur les marchés, et ça veut aussi dire que eh bien, c'est... Ces figures chartistes vont avoir des taux de réussite et des pertinences différentes. Donc en fait, il va falloir quand même filtrer énormément le contexte. Il ne suffit pas d'avoir un signal, il faut vraiment mettre un signal dans un contexte. Donc est-ce que je suis dans une tendance baissière? Est-ce que je suis dans une tendance haussière? Est-ce que je suis dans un range? Etc. etc. Et dans quelle phase et dans quel cycle je me trouve en fonction de cela. Ça, c'est très important puisque c'est ça qui va aussi déterminer tout simplement le taux de réussite et le succès d'une figure, par exemple, comme celle-ci. Alors il est où ce stop ici? Ouais, non, il est bien placé. On va laisser ça comme ça, on va voir. On travaille toujours les 7015 points. Toujours en range, hein, en revanche sur le DAX 40, le CAC 40 également, toujours dans son range. Je vais revenir sur le chat en attendant. Hervé qui nous dit bonjour tout le monde, bienvenue à toi Hervé aussi. Capé qui nous dit du coup pour ce genre de zone, pardon, j'utilise les bandes de Bollinger, elles sont efficaces, ça marche. Bah ici, ouais, les bandes de Bollinger sont très appréciées des traders aussi pour identifier la tendance ou identifier les zones de range. Pour repérer les retours dans le range, voilà, exactement, Capé, exactement. Alors on risque d'avoir du coup un retour quand même hein, si ça continue autour des 15 125 sur le DAX 40. On va voir si ça se concrétise. Voilà, on monte, on récupère ici sur le DAX 40. J'ai le petit graphique ici déjà qui remonte de plus en plus, qui passe sur un histogramme vert. Voilà, pareil pour le grand. Breakout aussi en train de se faire. Et du coup, le FTSE 100 qui va me sortir ici, on n'a pas su respecter la résistance 7015. Donc des mouvements en breakout aussi pour l'instant sur le DAX 40 puisqu'il n'a pas réussi à continuer la baisse. Le CAC pareil hein, qui va commencer à se retourner. On va rentrer dans un range piégeur sur le FTSE 100 si ça continue. Le gold, on va voir où il en est. Il veut descendre, hein, le gold pour l'instant.
Et on est déjà ouais, dans un trading range qui est proche d'une borne médiane, donc attention. Voilà, on a fait le retour sur les 15 120, 125 quasiment sur le DAX 40 pour l'instant. De toute façon, il est à peine 9h10, il reste plein de choses potentielles à faire dans cette séance. Il y a déjà un très joli double top à attraper sur le DAX sur l'open. Je crois que c'était ah ouais, la minute suivante l'open. Il fallait être très réactif. Moi, j'étais sur d'autres graphiques, donc tant pis. Mohamed qui nous est, du coup, tu peux nous expliquer la situation actuelle d'Evergrande, s'il te plaît. Alors, Evergrande, si tu veux, la semaine dernière et du coup la semaine d'avant, devait commencer déjà à rembourser sa dette, puisque énormément endetté, hein, c'est une société immobilière en Asie, en Chine, qui est énormément embêtée et tellement endettée auprès de différentes banques à l'international que son défaut de paiement peut clairement générer la prochaine crise financière. Donc à partir de là, c'est un dossier très inquiétant qui est surveillé, qui est énormément suivi, parce que justement il y a ce fameux risque. Et en l'occurrence, on a appris, ça devrait se confirmer au cours de la journée, qu'il y aurait des rachats de participation à hauteur de 51% de filiales de ce groupe, donc de Evergrande, par une autre société. Et ça pourrait commencer à débloquer, on va dire, un petit peu la situation. Mais tant que rien n'est fait, les marchés restent extrêmement prudents. Freddy qui nous dit bonjour, Jamie, à toute la communauté. Bienvenue à toi, Freddy, ça fait plaisir. Alors, je ne sais plus si je l'avais lu, excuse-moi. Hop, Pseudo Bidon qui nous faisait un petit signe ici, un petit pouce, clin d'œil et applaudissements. Merci beaucoup. 91 likes, ça fait super plaisir pour ce début de séance. Merci à vous tous. Et même qui nous disait, j'ai une petite question. Si on fait du trading en tant que particulier, est-ce qu'on a besoin d'être immatriculé comme auto-entrepreneur? Non, 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 t'as pas besoin. Tu gères tes propres capitaux. Alors après, c'est pareil, ça dépend si par exemple ton trading va dépasser le revenu que tu génères avec ton job à l'heure actuelle. Là, il faudra peut-être créer justement par la suite une structure. Jacques, pardon, qui disait bonjour à tous et bon trade. Bienvenue à toi, Jacques. Merci aussi, bien sûr, hein, bon trade à tous. On va voir ce qui se passe. On est en train de tester la résistance 6500 sur le CAC 40. On est dans de la hausse, hein, désormais. On est dans des breakouts haussiers, CAC, DAX inclus. Pas encore sur le FTSE 100. Il a besoin de confirmer le tout. Le gold ici qui bouge plus trop pour le moment, un peu posé sur les 756. Yann qui nous est, salut à tous et salut Admirals, bienvenue à toi Yann. On a aussi Félix qui nous est, bonjour à tous, bienvenue à toi Félix. Et même qui nous est, du coup, surtout pour déclarer ses revenus. Donc ça va dépendre, hein, des montants en fait. Si tu gagnes plus en trading et que tu fais du trading actif comme du day trading par exemple, que tu gagnes plus que ton revenu principal, normalement tu vas devoir créer une structure. Thiago qui nous disait, on va aller chercher le S1 du jour sur le DAX et sur le CAC s'il vous plaît, en rigolant. Alors, on a été chercher sur le footy, je suis en train de voir les 7030 en fin de compte. Mais on passe un peu plus en mode piégeur. On va voir si on a des respirations, si on peut du coup. Alors, on va repartir, hein, sur les graphiques. Là, on serait potentiellement en réintégration. Potentiellement en réintégration, justement, du coup, de cette zone de range précédente, hein, dont on parlait ici. C'est en plein test à l'heure actuelle pour cette fameuse réintégration possible. Je reviens sur le chat. Thiago qui nous est, on va aller chercher. Pardon, je l'ai lu. Christelle qui nous est, bonjour tout le monde et pardon pour le retard. Pas de souci, bienvenue à toi Christelle. Ça fait plaisir. Devenir ingénieur qui nous est, GBP USD explose. Alors hop, le GBP USD, ouais, il rebondit en fin de compte, hein, depuis sa borne basse. Il a été chercher rapidement sa borne basse. Zone de range D1 35-35. C'est le cas, c'est exactement ça. Et on a rebondi très très rapidement, en effet. Alors, je viens de voir, j'ai un petit scénario qui vient de se mettre en place, mais qui est sorti aussi sec. Du coup, hein, j'ai à peine fait deux petits points sécurisés, trois petits points, voilà, sécurisés rapidement. Et pour l'instant, ça ne veut pas partir.
Les histogrammes sont au vert sur le CAC, sur le DAX. Il n'y a plus qu'à attendre de voir si on a des belles choses qui se présentent. Cédric qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Cédric aussi. Sniton qui nous dit pourquoi attendre 9h alors que le DAX par exemple c'est H24. Conditions de trading favorables, horaire de trading favorable. Si tu veux, c'est pas parce qu'un actif est ouvert 24 sur 24 qu'il va être intéressant à trader tout le temps. C'est très important de bien comprendre ça parce que du coup on a des participants au marché qui font aussi la liquidité. On sait que les horaires historiquement, quand on fait une analyse de la volatilité, on sait que les horaires de bourse, les ouvertures de bourse, notamment les premières heures, hein, de chacune de ces ouvertures, fournit une belle volatilité. Ce qui est intéressant à trader puisque si on trade un marché qui ne va nulle part, on n'a pas d'intérêt, on va rester du coup en position très longtemps, on va perdre patience et faire des bêtises. Si on attend, si tu veux, les meilleurs moments pour trader un actif, donc un actif à ses propres horaires, hein. Ici c'est simple, quand on parle des actifs comme les indices boursiers, on va parler des heures de bourse. Donc là, on s'y retrouve, par exemple pour le CAC, pour le DAX, etc., le FTSE 100. Quand on parle des horaires de bourse du matin. Quand on va sur d'autres actifs, il va être très intéressant de voir justement quels horaires va correspondre le mieux à des belles périodes de volatilité, à des phases aussi et des stratégies particulières. Si on trade la tendance et qu'on veut du coup trader à des périodes où les ranges sont prédominants, c'est pas une bonne idée. Donc en fait, dans ton plan de trading, tu dois aussi intégrer cette notion-là qui est très importante. Qui est quand même une notion d'horaire, de timing en fait, hein, tout simplement, pour mettre aussi plus de probabilité de succès de ton côté. Quand tu testes un signal, tu t'aperçois qu'au cours de la journée, si tu filtres un peu les heures de manière logique, hein, faut pas tomber dans la suroptimisation, tes résultats concrètement vont vraiment varier, vont vraiment changer. Donc ça c'est important, c'est très très important. On est en train de rejeter donc les 15 125 points pour l'instant. Le FTSE 100 qui rejette le haut aussi avec les 7 033. Alors, on en est où sur le chat ici? Thiago qui nous disait tout de même un beau signal baissier en H1 sur le DAX et le CAC. Alors, attends, on va aller voir le H1. Cassure des creux précédents, ouais, cassure des creux précédents. Mais après, tu vois, on est très, très rapidement limité par un support SA et notamment les 15 025 points juste derrière. Denis Ingénieur qui nous dit, attends, je remonte. Bonne matinée à tous, merci à toi aussi. Déjà 102 likes, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. On est 148 ce matin. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. KP qui nous est l'indicateur de tendance que vous avez sur l'autre fenêtre, c'est donc un indicateur LTR. Tout à fait, ça fait partie du système LTR pour lire la tendance très simplement, très facilement. Christina qui nous est Evergrande dans 3 semaines. Tu veux dire qu'on en saura plus, Christina, dans 3 semaines? Benji qui nous dit bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez aller voir l'USD-JPY? Pas de souci. L'USD-JPY, il est là. Hop, on va le regarder, ce graphique ici. Alors, je vais juste aller le nettoyer dans la liste des objets. Voilà, je vais juste nettoyer ça. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Donc ici, l'USD-JPY, hein, qui est clairement dans une zone de range, on arrive par le haut, on aimerait sortir par le bas, mais si on rajoute le contexte de la tendance journalière, on a une grosse tendance journalière haussière sur l'USD-JPY. Hein. Je vous emmène sur le graphique journalier pour l'instant. Regardez ici cette grosse cassure, on est en fait dans une phase de respiration qui est normalement, hein, selon bien sûr le biais directionnel et cette tendance, devrait pouvoir continuer, mais la tendance persiste jusqu'à ce qu'elle s'arrête, pardon, c'est tout l'intérêt du dicton qui dit la tendance est notre amie jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Du coup, à partir de là, on va faire attention. Mais c'est vrai qu'une cassure ce matin par le haut, du coup, pourrait rapidement être limitée sur les 111,25, sur le test des sommets précédents. Après, là, si on descend sur les petites unités de temps, par exemple, on va voir qu'on est en train de faire un premier test d'une cassure. Et à ce moment-là, il faudrait voir si ça se maintient pour réussir à aller jusqu'aux premières zones, un petit peu par ici. Là, on aurait un point pivot d'ailleurs. Attention au point pivot qu'on est en train de tester. De toute façon, ça fait partie aussi du potentiel fausse cassure
quand on parle de cassure de zone de range, il faut, c'est pas la hantise qu'on doit avoir, mais il faut qu'on pense au phénomène possible d'une fausse cassure. Il faut qu'on ait quelque chose qui nous permette d'essayer de filtrer un maximum, dans le sens où on va tenter d'éviter, bien évidemment, ces fausses cassures. Il faut être conscient qu'il y a des fausses cassures dans le trading de range, et à partir de là, il faut quand même bien faire attention. Hakim qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Hakim. Lyon également qui nous dit bonjour à tous. Christina qui nous dit salut tout le monde, bonne semaine, salut Jérémy, dis-moi quand l'annonce des banques arrivera, quand Evergrande ne pourra pas assurer ses crédits, c'est la chute. Du coup, la chute pourra se faire. Oui, bah alors, très certainement, on aura des mouvements violents sur les marchés, un peu de panique, etc. Puisque on n'aura pas tout simplement une société énorme comme Evergrande qui rembourse sa dette. Hein. Donc à partir de là, toutes les banques qui sont dans le système, j'ai envie de dire, hein, qui avait été avec Evergrande, qui a mené à un endettement énorme, vont avoir un défaut de paiement et là ça va pas être bon, c'est clair. C'est pour ça que il y a beaucoup d'inquiétude, on va dire, par rapport à ça, et que déjà il y avait de la tension par rapport au premier versement des coupons des obligations que Evergrande devait payer la semaine dernière, etc. Donc c'est vraiment l'inquiétude du moment côté asiatique, et en fait l'inquiétude est générale parce que ça se répercute à travers le monde entier, puisqu'il y avait des banques internationales dans ce système là avec Evergrande. Et même qui nous dit merci pour ta réponse. Je t'ai mis un joli pouce bleu. Toujours un plaisir de suivre vos lives. Merci beaucoup, MM. Ça fait bien plaisir. 115 lives déjà. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de likes dans la séance. Il est à peine 9h22. Merci vraiment à vous tous. Très très bon début de semaine, en tout cas, clairement. Thiago qui nous est nouveau. Signal baissier en formation sur le DAX et sur le CAC, on dirait. Alors on va aller voir ça si tu veux. On va aller voir ça. Hop, on va regarder ça comme ça. Le gold hein, déjà qui descend. Alors, pas obligé de tout agrandir, mais on a un gold qui descend dans sa zone de range. On a un retracement qui se fait de plus en plus ici. Et on a tout simplement ici, voilà, le petit graphique même hein, qui va commencer, d'ailleurs j'avais pas vu, à remettre en question sa propre tendance haussière. On est dans une tendance haussière sur le CAC 40 qui a du mal à se maintenir. Le FTSE 100, il en est où? Le FTSE 100, il est, attention, dans une zone grise. Donc ici, c'est du trading en range ou du trading en range un petit peu piégeur. On est quand même dans la tentative de continuer de rejeter un petit peu cette zone-là des 7030. Donc on va voir jusqu'où on rejette cette zone-là, bien évidemment. Mais pour l'instant, le DAX 40 qui a quand même envie, lui, de rejeter sa borne extérieure résistance autour des 15125 points. On redescend petit à petit ici déjà. Si on regarde le CAC 40 ici, ouais, ça veut continuer de rejeter sa résistance. Pour l'instant, en train de tester le dernier creux. Il va falloir vraiment voir ce qui se passe autour de ces creux-là, justement. Capé qui nous est le sniper en moi se régale pour ce genre d'évolution graphique. Parfait, parfait KPM. C'est très bien d'être en mode sniper. Hein. Je trouve que ça permet vraiment de se mettre dans une position où on cherche la qualité, pas la quantité, des choses précises et qui peuvent donner qui ont en fait du potentiel. Christina qui nous dit Thiago, oui, pour peut-être faire du range. Sniton qui faisait 80 points sur MT5, c'est 0,8, c'est ça la conversion. Oui, exactement. Alors là, si tu veux, par exemple, je te remets le DAX, si tu parles du DAX, mais c'est pareil hein, sur le FTSE et sur le CAC. Tu vois ici dans le mini terminal, c'est corrigé dans le sens où c'est vraiment marqué 0,8. Mais la notation par défaut de MetaTrader 4 et 5 pour les indices boursiers, donc là par exemple, je vais te rajouter la colonne qui correspond. D'ailleurs, c'est dans colonne et ça va être ici dans spread. Tu vas la retrouver par exemple sur le CAC à 80, le DAX 40 à 80, alors que c'est du 0,8. Ça, c'est la notation vraiment de MetaTrader. Il faut faire, comme tu dis, une sorte de petite conversion, mais c'est bien un spread à 0,8. Yann qui nous disait quels sont les événements qui font le rejet ou la hausse quand tu parles de rejet, précision s'il te plaît.
Alors, il faut savoir que les marchés ne bougent pas uniquement en fonction d'événements. C'est pas parce que tu vas avoir un rejet d'une résistance que tu vas avoir une information qui tombe au niveau fondamental à ce moment-là. Ce qui fait concrètement, et c'est pour ça que je me suis dirigé sur de l'analyse technique il y a des années de ça déjà, c'est concrètement la réaction et les, en fait, les actions et réactions des acteurs de marché. C'est-à-dire que si tu as du coup des acteurs de marché qui vont voir un niveau de résistance, certains vont tenter de jouer la cassure, certains vont tenter de jouer le rejet. Et en fait, les actions et réactions cumulées de ces acteurs-là, on ne va pas juste en regarder les acheteurs ou juste les vendeurs, on va regarder vraiment l'effet de masse, acheteur plus vendeur, ça va donner une réaction. Le cours est obligé à un moment donné, si tu veux, d'aller vers le haut, d'aller vers le bas, même si on sait qu'il y a beaucoup de range où tu vas un petit peu dans une zone restreinte, mais on finit toujours par sortir de la zone de range. Soit pour une fausse cassure, soit pour une vraie cassure, peu importe. Ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que ce n'est pas les événements du coup qui vont mener chaque mouvement de marché. Et même quand on a des événements, qu'est-ce qui se passe concrètement? Bah, l'événement est digéré, on va dire, du coup est interprété et mène à des tout simplement des réactions des acteurs de marché. Certains vont acheter, certains vont vendre. Et c'est ce phénomène-là qui va faire bouger le marché, qui va faire qu'on a un rejet d'une résistance, qu'on a un soutien d'un support, qu'on a une cassure des fois même d'une résistance ou d'un support. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment ce comportement-là que moi je vais aller étudier, puisque c'est, je trouve, aller chercher l'information à la source, du coup, plutôt que de tenter moi-même du coup déjà d'absorber toutes les informations fondamentales, puisque si on veut vraiment faire de l'analyse fondamentale, il y a des tonnes et des tonnes de choses à creuser, à étudier jour après jour, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et du coup ensuite tout ça pour voir peut-être que la masse n'a peut-être pas digéré, n'a peut-être pas traité l'information de la même manière que je l'ai faite ou que ça aurait dû être le cas, puisqu'il y a toujours des standards dans l'interprétation des publications économiques, d'un discours de Jérôme Powell qui est plutôt rassurant ou pas rassurant par rapport à l'inflation, par rapport à la politique monétaire qu'ils vont mettre en place, etc., etc. Donc moi j'ai décidé de prendre le raccourci, mais pour autant rester sur des choses pertinentes. Et le price action est pour moi, si tu veux, sur ces graphiques ici CFD, le meilleur moyen d'interpréter le plus tôt possible ces fameuses actions et réactions des acteurs de marché au global, pour tout simplement en tirer moi-même derrière l'interprétation. Est-ce qu'ils sont plus à l'achat, plus à la vente? Est-ce que il y a une opportunité parce que c'est un niveau très attendu d'un rebond dans une tendance haussière pour ce support, etc., etc. Donc on repart sur de la baisse sur le graphique 3.8. Ici, ça y est, ça range, hein, vraiment, on n'a pas su rebondir et continuer la hausse sur le CAC 40. On est toujours en hausse, mais retracement très profond pour l'instant ici, hein, sur ce DAX 40, un DAX 40 qui est pas loin de son support S1 quand même ici. Donc un marché qui se cherche un petit peu plus ce matin. C'est pas de la pure direction, il y a des variantes ici, du coup tendance, range, tendance, etc. Faux départ parfois. Il faut savoir du coup, et c'est là en fait, hein, il faut savoir gérer aussi son risque, puisque on a toujours des séances qui vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus belles que d'autres, des séances qui vont être un peu plus piégeuses. Et c'est là où la gestion du risque va nous permettre aussi de faire bien attention et de pas forcément manger beaucoup sur son capital. Après ici par exemple, voilà, on sait déjà qu'on repart sur de la baisse pour l'instant. Là on sait qu'on a un retracement profond, mais on a la big ML contre nous. Là on sait qu'on n'est plus dans de la tendance clairement. On n'a pas su rebondir. Et du coup, pour l'instant, ça range pas mal aussi. Donc le rejet qui s'est fait au final, hein, des 7030 points, si j'avais voulu persister côté du coup de la vente pour de la récupération de mouvement, c'était une zone appréciable, cassée ici, retestée par là, mais déjà un retour des 7015 pour l'instant. Une séance qui va nous laisser, je pense, le temps de parler de pas mal de choses, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ici, on va juste regarder le gold rapidement, le gold qui passe sous son point pivot, du coup, et qui continue sous son point pivot, direction potentiellement la borne basse. On a hésité en fait, on a rangé un petit peu ici, breakout par le bas pour l'instant. On n'oublie pas que la borne basse, c'est aussi le support S1 du jour avec les 1751 $ l'once d'or. Rapidement, l'euro dollar, on en est où? On est dans du trading en range, on va nulle part, on n'a même pas su pour l'instant aller concrètement tester la R1 et les 1,1610 borne haute de la zone de range. Voilà la baisse qui se relance bien. On a un CAC qui va nous entraîner sur un support S1. On est sur les 6462 pour l'instant. Test des derniers creux pour le DAX 40.
Thiago qui nous disait, qui disait à Christina, du coup, oui, possible. Zachary qui nous disait, à ton avis. Alors, attends, je remonte. Zachary. À ton avis, quels sont les meilleurs actifs à trader avec le plus de facilité, à trader les plus rentables actifs forex, matières premières? Pour moi, c'est les indices boursiers. Pour moi, clairement, c'est les indices boursiers. Les meilleures conditions pour quand tu regardes la proportion des spreads avec la proportion de la volatilité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hein, sur les meilleurs actifs. Du coup, je vais aller vous chercher ça sur la chaîne YouTube Admirals. Voilà, les meilleurs indices boursiers. Alors, j'ai carrément fait une vidéo, les meilleurs marchés du day trader. Donc, je vous envoie ça. Vous pourrez aller voir ça après la séance. Vous verrez l'étude faite pardon, sur la volatilité, les conditions de trading. C'est les deux critères de base, hein, clairement, à prendre en compte quand on veut choisir les actifs à trader. Donc, dedans, tu retrouveras forcément du DAX 30 qui est devenu du DAX 40, du FTSE 100. Des indices boursiers américains, Dow Jones 30, Nasdaq 100, etc. Je fais aussi bien sûr hein, la partie un petit peu aussi forex, matières premières, mais vraiment moi ce qui m'intéresse par exemple dans ces sens, c'est du DAX 40, du FTSE 100 clairement. Le CAC 40 est devenu intéressant aussi ces derniers temps parce qu'on a de la volatilité, mais sur le long terme beaucoup moins intéressant quand même qu'un DAX 40 ou qu'un FTSE 100. Donc voilà, ça commence à ranger ici aussi. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on n'arrive pas. Je vais vous agrandir ça. On n'arrive pas à continuer une tendance haussière, des creux et des sommets. Donc, on arrête d'être en tendance quelque part. L'histogramme nous le traduit très simplement. On re-rentre dans une zone de range un peu plus piégeuse à l'image de ce qu'on a ici. Donc, ici, par exemple, hein, c'est pas parce que du coup, on monte, on monte, on monte que ça, c'est une tendance haussière. Ça, c'est très important de le concevoir. C'est les petites subtilités pour comprendre comment fonctionnent bien les marchés et ces différentes phases. Donc, là, ici, tout est codifié hein, à travers ce petit histogramme, donc ça simplifie le process énormément en temps réel. On se pose pas de questions, même quand on fait du petit graphique, puisque là c'est quand même du petit graphique en 3.8, on a l'information très très rapidement. Donc ce matin, je vous le disais, hein, c'était très rapide, mais ça c'était vraiment du trading en tendance. Si j'avais pu, je l'aurais pris, mais j'étais pas sur l'écran. Et ensuite, on a rangé, clairement on a rangé. Donc là, il y avait aussi des choses à faire pour du trading en range. Et derrière, on a eu un breakout aussi qui n'a pas duré. Du coup, on renverse la tendance au bout d'un moment et on passe toujours, bien sûr, par une phase potentielle de range avant de passer de la hausse à la baisse. Donc là, on est dans de la baisse, mais dans de la baisse qui est tellement élancée que, du coup, vendre un marché trop bas, probabilités ne sont pas intéressantes et la gestion du risque est encore moins intéressante sur ce genre d'occasion. Zachary qui nous disait du coup le plus de facilité. Ben alors si tu veux, pour moi, quand tu mets déjà de ton côté l'aspect proportion spread vis-à-vis de la volatilité et donc des potentiels de nombre de points que le marché génère au quotidien, ça te mâche un peu plus le travail aussi. Bah parce que tout simplement, si tu vas sur un actif avec un spread énorme, ça va te compliquer la tâche puisqu'il faudra vraiment que tu ailles chercher plus loin tes profits. Alors que si tu travailles des actifs sur des petits spreads, tu vas tout simplement pouvoir être rentable sur ton trade beaucoup plus rapidement. Donc ça augmente ta part de facilité, entre guillemets, même si rien n'est facile dans la vie comme dans le trading. Hein, j'en profite pour le souligner. Mais voilà, ça va te permettre déjà d'être un peu mieux encore orienté vis-à-vis des actifs que tu peux trader. Amine qui nous dit bonjour, Jérémy, je vois le CAC en Renko dans un triangle daily à 6000, du coup 200, qu'en penses-tu? Alors, j'ai pas le graphique journalier en équivalence journalière hein, sur le Renko du DAX, mais on va aller voir ici si tu veux en journalier, si on le retrouve. Alors, je pense que tu vois ça comme ça. Tac. Et tac, ouais, ça peut être, ouais, ça peut être un triangle. Ça peut être un triangle. Yes, 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 tu relis ces points-là. On a quand même assez de points de test. C'est juste que la partie ici haute est un petit peu assez pentue, mais la borne basse, c'est plutôt pas mal. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc, en effet, un triangle en journalier sur le CAC 40. Les Renko qui permettent facilement, de toute façon, de voir les figures chartistes. Puisque là, c'est encore plus simple, clairement. On en parlait tout à l'heure, je vais aller vous chercher, si vous voulez, l'article, là, du coup, sur les figures chartistes aussi.
Voilà, je vous le mets ici, cet article très complet, il y a beaucoup de choses dedans, n'hésitez pas à regarder. Ariane qui disait GBPO, s'il te plaît. Tiens, il est ici, GBPO. Donc tendance baissière en journalier, sous le point pivot du mois, hein, ici, point pivot mensuel. Par contre, attention, graphique ici, horaire qui nous marque une zone de range qui est travaillée toujours. Toujours travaillée, on respecte une fois de plus la borne basse, on est déjà sur la partie médiane, donc attention, vraiment une partie beaucoup plus dangereuse. Donc des marchés un petit peu piégeurs ce matin, on casse un peu par le haut pour mieux descendre par le bas, hein. Clairement c'est ce qu'on a ici, hein, sur le FTSE, on casse un sommet pour mieux descendre par le bas et on sait qu'on est dans un marché plus particulier avec ces bougies grises ici, enfin cet histogramme gris qui nous permet d'y voir pas que du range à l'horizontale puisqu'il y a d'autres configurations de range qui existent. Christelle qui devait Jérémy, est-ce possible de programmer des sorties ou entrées partielles sans avoir à rester devant l'écran? Tout à fait, c'est ce que j'utilise ici. Avec le TP1, TP2 en fait, si tu veux. Donc par exemple, si je te fais un exemple rapidement ici, on va rentrer au marché, par exemple, je fais market, hop, ici, alors attends, j'ai cliqué sur le graphique au-dessus, là, oups, pardon, petite démonstration, là en fait, tu vas voir que j'ai deux lignes en magenta, sur les 15 000, du coup 65 et les 15 079, et du coup, c'est tout simplement bien des, attends, hop, je peux même enlever. Voilà, c'est tout simplement des sorties partielles et je peux bon, les modifier et ensuite me dire bon, je vais attendre par exemple que ça soit atteint pour que le marché me sorte tout seul, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je voulais dans mon trading puisque avoir à toujours gérer en fait ces sorties partielles manuellement, malheureusement des fois, ben, ça ne nous met pas dans la bonne configuration parce que ben, en fait, si le marché va vite et que nous on n'a pas eu le temps de cliquer sur la petite roulette sortie etc, par exemple avec le mini terminal, eh bien on n'a pas obtenu le nombre de points qu'on aurait dû obtenir sur notre sortie, alors qu'avec des choses comme ça sur des sorties concrètement du coup partielles programmées sur la machine, eh bien c'est beaucoup plus simple, ça se fait tout seul en fait, donc c'est vraiment de l'assistance, c'est pour ça que je l'ai appelé l'assistant des traders, c'est que ça va vraiment nous assister dans notre trading. On va voir là si on a du coup le cours qui revient un tout petit peu plus haut, on va sortir ici, parce que là je suis rentré au marché, voilà, donc pouf, sorti automatiquement de 50%, tu vois, du trade, du coup pour 12 petits points l'air de rien, oui parce que je suis sur le graphique du coup, plus important, c'est sur le graphique en 6.10, donc c'est normal, je vais aller pouvoir sécuriser à du 12 points de l'autre côté et on va voir si on peut rentrer dans une zone de retracement, aller par exemple taper ici, tu vois, je peux le déplacer même comme je veux ou en nombre de Renko etc, mais je peux le déplacer si je veux par exemple ici, tiens. Et on verra si en atteignant les 15 073, bah, du coup on verra bien sûr une sortie partielle, mais je veux dire on verra déjà si on atteint cette zone de retracement ici dans un marché qui est un peu piégeur, donc il y a aussi un potentiel de récupération. Donc c'est, je vous ai pas pris cet exemple non plus pour rien, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça m'a sauté aux yeux du coup pour faire ce petit exemple là. Donc pour l'instant sécurisé sur cette opportunité là, sur un petit peu de rebond. Donc voilà Christelle ici, oui c'est possible mais il faut des outils en particulier, donc moi je l'ai fait développer pour mon trading, pour mon approche à moi. Que je partage bien sûr avec les LTR, tu t'en doutes. Zachary qui nous est, tu penses quoi de l'euro JPY? Alors attends, je vais aller chercher le graphique. On va le caler sur celui-là d'ailleurs, ce sera plus simple. L'euro JPY. Hop. Donc attention, on est en range hein, ici, la touche HLS qui nous permet de le voir très simplement. On est bloqué par le haut, bloqué par le bas dans un range journalier, clairement. On va voilà, hop, regardez ça, c'est les 130-50 par le haut, 127-128 même du coup par le bas. Donc, trading en range en journalier, on est un petit peu en dessous de la partie médiane de ce trading en range. Et à l'heure actuelle, on est en train d'être de montrer qu'on est incapable de continuer par le bas et qu'on veut tester les derniers sommets. Donc on range également sur un petit graphique horaire. Attention à la borne haute qui va tourner autour des 129 et une borne basse qui va tourner autour des 128-50. Voilà pour le JPY. Du coup, on est en train de redescendre un petit peu. Donc là, pour l'instant, ici, premier TP atteint, sécurisé. On va voir si la petite ML maintient un peu, mais on est face à la big ML, hein, de toute façon, qui est rouge. Donc on sait que c'est une résistance. C'est pour ça que j'ai voulu prendre, du coup, une sortie partielle ici. C'est assez important de respecter aussi
les supports et résistances dynamiques du marché. On est déjà à 140 likes, merci beaucoup à vous tous, vraiment ça fait bien plaisir. Christian qui nous dit quel est le nom des banques impliquées dans Evergrande ou bien un lien où je peux les trouver. Alors j'ai pas été chercher Christian, donc il faut chercher sur internet. J'ai pas cette information, je t'avoue que j'ai pas été chercher ça puisque je me concentre sur vraiment l'analyse technique. Mais bon, on garde à l'esprit que le dossier du moment est là. Mais j'ai pas été chercher plus loin ces informations-là. Tu peux très certainement les trouver sur internet, hein. Il faut faire un petit peu de recherche, je pense. Il y a beaucoup beaucoup de banques, hein. Je crois qu'il y a vraiment une liste assez conséquente. Du coup, Périgord qui nous disait, Silvio, bonjour, bienvenue à toi, Périgord. Lady qui nous disait, est-ce que ça peut toucher les comptes des particuliers, des professionnels, des clients d'une banque impliquée dans Evergrande? Alors, normalement, ils vont avoir une partie, si tu veux, business, hein, les banques sur lesquelles ils vont gérer justement ce genre de choses. C'est pas censé du coup toucher au compte des particuliers, mais après on sait qu'on a aussi des normes particulières, hein. C'est-à-dire que si vous possédez à l'heure actuelle, je crois normalement c'est plus de 100 000 ou 200 000 euros sur votre compte, en cas de crise financière, il est possible que l'État, le gouvernement, du coup ponctionne une partie des comptes supérieurs justement à 100 000 ou 200 000, je crois que c'est 100 000 même. Donc voilà, dans le pire des cas, c'est le genre de choses qui peut arriver. Après, normalement, voilà, c'est plutôt la partie business des banques qui est en affaire avec, qui sont en affaire, pardon, avec Evergrande, plutôt que la partie compte des particuliers. Donc, après, ça dépend de chaque banque aussi. Christina qui nous dit, Jérém, du coup, si le DAX tombe sous les 14 800, c'est la panique, non, parce que la tendance de fond long haussier va se transformer en tendance baissière. Alors, la tendance de fond assez longue, Christina, tu la vois sur des graphiques peut-être mensuels, hebdomadaires, si tu veux, dis-moi un peu plus, on va aller les voir. Parce que pour moi, déjà, en journalier, on est déjà en tendance baissière. D'un point de vue hebdomadaire. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, du coup. Ça va être assez intéressant, on l'est pas encore. On est un peu plus dans du trading de range que dans de la tendance baissière. Et d'un point de vue mensuel, on est toujours dans une tendance haussière qui a besoin de trouver sa respiration. On aurait un potentiel de retour jusqu'au 13 500 déjà. Donc voilà pour moi, hein, vraiment, si tu veux vraiment le niveau mensuel, la grosse grosse tendance, on est toujours dans une tendance haussière. C'est juste qu'on serait dans une phase de respiration. Une phase de retracement qui, ben, pour des graphiques journaliers, vont marquer vraiment des tendances baissières, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors ça se maintient pour l'instant. On a un maintien de la petite ML bleue, retest de la big ML pour l'instant. On va voir si on est capable d'aller chercher les 38,2 de retracement de Fibonacci. Devenir ingénieur qui nous dit MT4 indique les points du coup 1 sur 10 du pip. Je pense que tu parles de la notation du coup. Tu parles de la notation. MT4 et MT5 ont des notations assez similaires dans le sens où tu vas avoir, si tu veux, par exemple, même quand tu regardes l'amplitude d'un mouvement ici avec le petit croisillon, tu vas avoir 2061 points alors que c'est en fin de compte 21, du coup 61 ou là par exemple 21,24 points. Nasser qui nous dit du coup que me conseilles-tu entre. Alors on va pas parler de ça, Nasser, hein. Je suis obligé de l'enlever puisque c'est de la concurrence quelque part indirecte à Admirals. Donc on va pas pouvoir parler de ce sujet-là, Nasser, désolé. Lady qui nous disait HSBC et UBS par exemple. Oui, ils sont dedans aussi normalement. Il y a beaucoup de banques très très enfin très importante et assez connue, quoi. KPM qui nous disait l'analyse technique est tellement plus agréable que le fondamental, j'adore le factuel. Oui, c'est clair, je suis d'accord avec toi, KP. Je trouve que c'est, bah, même pour quelqu'un qui doit apprendre, si tu veux, le trading, je trouve déjà que pour la personne, c'est tellement plus simple. Et ensuite, ça va être assez agréable. Et ensuite, cerise sur le gâteau, c'est quelque chose qu'on va vraiment pouvoir travailler avant même de se mettre dans des conditions réelles. Ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir tester, backtester une stratégie. Et ça, c'est très important parce que du coup, bah, ça va nous permettre de savoir où on va avec un risque calculé. On ne se jette pas n'importe comment, du coup, dans le feu de l'action. Et ça nous permet vraiment de faire des choses assez intéressantes. Donc c'est une chance, hein. Clairement c'est une chance aussi, je trouve. Comme ça, nous, traders particuliers, on a nos probabilités de succès également.
Allez, encore deux. Renko à la hausse pour atteindre les 38 de Fibo ici. Sur un mouvement de récupération. Je pourrais ensuite sortir entièrement. Peut-être autour de cette zone 50-61-8 de Fibonacci. Mais pour l'instant, ça bloque encore un petit peu ici. Je vais pouvoir déjà remonter peut-être un petit peu. Pas de grand-chose, mais remonter un petit peu. On va rester sur quelque chose comme ça. Du 10 points, du 11 points en stop-loss. Suiveur. Un scénario assez particulier que je vous montre ici. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de manières de faire quand on comprend bien le marché, comment il évolue et comment il se comporte surtout. Périgord qui nous est à qu'un de Sarlat. Du coup, j'ai pas compris ici Périgord. Yann qui nous dit résistance est égale à achat, chute est égale à vente, c'est ça en gros. Alors c'est marrant parce que tu nous parles de résistance et ensuite de chute sans parler de support du coup. Alors en soi, résistance, ça dépend le contexte que tu donnes aussi. Résistance dans le cadre d'une tendance. On va faire un exemple du coup avec qu'est-ce qu'on a sous la main? Bah tiens, ici. Ici on est dans un marché qui est en tendance baissière, tu es face à une résistance, du coup ici c'est pas vraiment de l'achat, tu vois, le principe c'est plutôt justement de la vente. De la vente parce que tu as un biais directionnel qui est baissier et tu as un niveau de prix plus haut qui est respecté en fait. Et on n'arrive pas du coup à casser ce prix là, donc on le rejette. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dis-moi un petit peu ce que tu penses de ça, Yann, et on reparle de tout ça. Nasser qui nous dit, du coup, si je veux les Renko LTR pour MT5 d'un autre broker, est-ce possible? Alors, on n'est pas sur MT5 avec les LTR à l'heure actuelle, on est uniquement disponible sur MetaTrader 4. Maxime qui nous dit, encore merci pour ton indicateur Renko, comment fais-tu pour évaluer les tailles? Alors, attends, je remonte un petit peu. Je viens d'être décalé, et du coup, j'ai pas lu la fin de ton message. Voilà, ici, comment fais-tu pour évaluer la taille des Renko chaque semaine? Merci beaucoup en tout cas pour ton message, Maxime, ça fait bien plaisir. Alors, j'ai développé une formule mathématique parce que je voulais un moyen, si tu veux, qui soit. Alors, on est en train de remonter, on va regarder ça ensemble. Et justement, TP2 peut toucher tout seul. Donc, ça, c'est l'avantage de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vraiment d'avoir des outils d'assistance, des sorties partielles qui se mettent en place toutes seules. Je peux faire du break-even désormais, je ne risque plus rien. Et de toute façon, sur cette zone. Idéalement, hop, je vais même sortir, voilà, hop, entièrement de ma position. Donc ça fait une position à 12 points ici, à 22 points par là et à 34 points par ici, sur un mouvement assez particulier, un petit peu piège de marché en l'occurrence. Donc hop, je vais écarter ça, vous remettre ça comme ça. On va revenir sur le sujet en question. Donc ouais, c'est une formule mathématique développée spécialement pour... Parce qu'en fait, si tu veux, je voulais pouvoir te faire du backtest sur ma méthode. Et j'avais besoin de trouver une procédure pour trouver tout le temps la taille. Par exemple, imagine, il y a un an, du coup, telle semaine, quelle taille Renko on aurait dû utiliser pour trader cette séance comme moi je le fais au quotidien ici, par exemple. Donc c'est une formule mathématique qui me donne à chaque fois les tailles et c'est ce qu'on transmet au LTR du coup chaque semaine. Christian qui nous disait pardon Christian Christina qui nous disait Max du coup je te dirais voir par rapport à la volatilité mais attends du coup la réponse à Jérémy. Ouais, yes, bah alors ça fait partie, hein, il y a une notion de volatilité puisqu'on va absorber cette volatilité sur les graphiques de référence. C'est-à-dire que là j'ai des graphiques hop, ici. Ce graphique là c'est l'équivalent 5 minutes en termes de volatilité, donc on est sur du 6.10 en ce moment, et là du 1 minute en équivalence bien sûr, donc on est sur du 3.8. La semaine dernière on avait des tailles plus petites puisqu'on avait de la volatilité à ce moment là qui était attendue dans un certain niveau. Là on a une volatilité qui s'est renouvelée, on l'a vu d'ailleurs ensemble là, au cours de la semaine dernière, donc là on retrouve cette répercussion sur les tailles du coup de cette semaine. Faustin qui nous est GBPO a touché son support H4 étant en tendance haussière sur du D1. Alors attends, GBPO on l'a vu, et du coup je crois pas que j'avais vu de la tendance haussière. Attends, GBPO,
Yes. Du coup, ouais, pour moi, on n'est pas dans de la tendance haussière en termes de price action. Je pense que tu vois une tendance haussière si tu rajoutes des indicateurs. Par exemple, une moyenne mobile de 200, c'est sûr que tu es à la hausse. Même si tu mets une moyenne mobile hop, de 50, à mon avis, tu es sûrement dans de la hausse. Non, plus forcément. Donc, tu es peut-être sur des moyennes mobiles plus larges ou d'autres indicateurs. Mais pour moi, on n'est plus dans de la tendance haussière depuis un moment hein, sur ce graphique-là. Le graphique H4, sinon. On avait vu qu'il y avait la formation d'un range. Voilà, c'est ça. C'est la borne basse du range qui marque le rebond pour l'instant, pour ma part. C'est ce qu'on avait dit, ouais, tout à l'heure. Ça continue de monter un petit peu. Alors, je suis sorti ici dans une zone de retracement de Fibonacci. On va voir désormais si le marché arrive à booster encore un petit peu, à remonter plus haut. On repart sur une tendance haussière pour du FTSE 100 désormais. On repart au-dessus aussi d'une Big ML qui passe en bleu. On est toujours dans des zones un petit peu piégeuses. Attention de range aussi sur le CAC 40. Et sur ce gold, on va voir qu'on est donc dans de la baisse, mais dans un mouvement déjà élancé. Zachary qui nous dit du coup je l'ai déjà vu. Donc je pense que, ah oui tu parlais du coup de la vidéo, ça marche, pas de souci. Sniton qui nous disait, ça fait plaisir en plus, hein. Sniton qui nous disait ce que je gagne en 10 trades, je le perds en un seul. Alors tu sais d'où vient le problème, Sniton? Ça veut dire que tu as des stop loss beaucoup trop grands, tu as des TP beaucoup trop petits. Et ça, c'est très très important parce que justement, tu as beau gagner 10, 20 trades, en quelques trades, tu vas revenir sur tous ces trades-là. Donc, ici, il faut que tu te mettes en place, si tu veux, un ratio minimum. Un ratio minimum, c'est-à-dire de prendre une opportunité qui a un ratio sous 0,5 de ratio. C'est-à-dire, imagine, tu risques 20 points pour en gagner 10. Ton ratio est de 0,5. Et en plus, je ne te parle même pas ici du spread que tu es censé quand même prendre en compte. Donc, pense à ça, essaye du coup de repenser un peu ta méthode pour y voir des TP plus importants et des stops du coup un peu plus du coup cohérents avec ton TP. Parce que oui, sinon tu peux avoir un taux de réussite élevé, mais la profitabilité en trading ne se base pas que sur le taux le taux de réussite. C'est un équilibre, c'est une balance entre le taux de réussite et le ratio. Il y a des traders qui ont 40% de taux de réussite, qui sont très très profitables parce qu'ils ont des ratios à 5. Donc oui, il y a des trades très perdants très souvent. Mais quand il y a des trades gagnants, ils gagnent 5 fois ce qu'ils perdent en fait sur des trades perdants. Donc ils sont quand même rentables. Et c'est pour ça que je dis aussi, quand on voit la chose de la manière suivante, c'est pas si compliqué que ça d'être un trader gagnant en trading. Il suffit d'avoir un taux de réussite à 51% par exemple ou 52%. Donc vous avez donc des trades gagnants une fois sur deux, quasiment un tout petit peu plus gagnant que perdant. Vous avez un ratio de 1 pour 1 net de spread et vous êtes gagnant. C'est juste que vous n'allez pas gagner grand-chose. Mais vous êtes déjà sorti de la zone des 90 et plus de trades perdants, de traders perdants, pardon. Donc après, l'être humain adore avoir des taux de réussite élevés puisque il veut gagner un maximum du temps. Mais si on gagne un maximum de fois et qu'en quelques pertes on revient sur une grosse partie des gains, je trouve que c'est pas intéressant personnellement. Le swap est identique sur le forex et sur les indices, nous disait devenir ingénieur. Non, ça dépend des actifs. Ça dépend des actifs. Le swap est fonction bien sûr de chaque actif si tu veux et tu as des spreads du coup pour des positions d'achat, des spreads pour des positions de vente. Certains sont positifs, certains sont négatifs, tout ça c'est au cas par cas. Jonathan qui nous disait en bourse.fr. Alors pas de publicité Jonathan, je vais enlever ton commentaire. Alex qui nous disait plus de 1% de mon capital, j'arrête pour aujourd'hui. Merci pour la séance, avec plaisir Alex, avec plaisir. 149 likes, ça fait bien plaisir également à moins de 5 minutes de la fin. Du coup, c'est vraiment top pour démarrer la semaine. Merci à vous. J'essaie de vous faire quelques petits exemples ici. Bon, c'est parti un peu vite sur l'open et depuis c'est un peu moins intéressant. Je vous ai fait un mouvement de récupération ici sur le DAX, de la poursuite baissière qui n'a pas donné hein, sur le FTSE 100. Si j'avais voulu du coup être un petit peu m'acharner un petit peu sur le scénario, j'aurais tenté encore. Parce que c'est un petit peu la même chose ici que ce que j'ai exploité ici et ce que j'aurais pu exploiter aussi sur le CAC 40. Donc c'est des mouvements un peu plus piégeurs ce matin clairement qui ont été dominants sur le marché. Lastico qui nous disait bonjour à tous, double top en M5 sur le DAX. Alors, on va aller voir le M5 ici.
Ouais, là, ici, double top, exactement. Exactement. Sur la borne basse côté extérieur de la zone de l'ancienne zone de range. Jonathan qui nous disait, alors, hop, Jonathan, je vais te sortir concrètement, puisque tu fais de la publicité. Thiago qui nous disait, yes, take profit, touché sur le CAC 40 break-even sur le DAX, journée faite, bravo Thiago, félicitations, très très beau, très très beau score, très très beau scénario. Tac, Yann qui nous dit combien misez-vous en moyenne s'il vous plaît pour tout dire journée faite si c'est pas trop indiscret. Donc question hein, pour les autres participants qui disent que voilà qui ont atteint leur journée. Thiago qui nous disait du coup max 0,5% de mon capital, ça représente quoi en argent? 1000 euros demandait Yann. Alors ça dépend des comptes de chacun hein. Ici si tu veux c'est bien de parler justement comme Thiago le fait en termes de pourcentage par rapport à ton capital. Parce qu'en trading, si tu es capable de faire, peu importe le montant, les performances, t'es dans une bonne situation. Parce que si ton compte un jour passe à 100 000 euros, eh bien tu ne vas pas tomber dans les erreurs liées à l'émotion. Parce que tu ne vas pas te dire, ah bah, alors, avant je risquais 50 euros, maintenant je vais risquer 1000 euros par trade. Et du coup je perds les pédales et je n'arrive plus à gérer mon trade. Mon trading a changé, etc. Non, c'est juste tes émotions qui ont changé. Donc moi j'invite vraiment tout le monde à penser en termes de pourcentage plutôt qu'en nombre de forcément de points ou en euros. Pourquoi? Parce que le nombre de points, ça reste un nombre de points, c'est une référence pour tout le monde. C'est pour ça que dans mes titres, d'ailleurs, je parle en points. Mais du coup, la valeur de ces points ne se reflète qu'à travers vraiment la valeur en euros qu'on associe à ces points. Si on trade à 1 euro le point, ça fait tant. Si on trade à 10 euros le point, ça fait tant. Si on trade à 200 euros le point, ça fait tant. Donc, les points restent quand même une valeur universelle dont on peut parler, échanger, etc. Mais après, quand on rentre dans les performances des traders, moi j'aime vraiment parler du pourcentage du coup réalisé, bah parce que en fin de compte, de 1, c'est bénéfique pour le trader, puisque quand on arrive à ne penser qu'en pourcentage, du coup, on est moins déjà sujet à être affecté par les montants, puisque bah, clairement, hein, quand vous prenez un trade, si vous transpirez, c'est parce que le montant en risque ou en train d'être fait sous vos yeux sur votre compte réel vous affecte. Si on pense qu'en termes de scénario, en termes de pourcentage de risque, etc., en fait c'est simple. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est penser en termes de pourcentage de risque avant de prendre un trade. Et dès qu'on prend le trade, penser en termes de scénario. Est-ce que mon scénario, il atteint mon premier TP, etc., etc. Et pas en train de me dire, oh, je suis en train de faire 250 euros en gain, je veux sortir maintenant pour empocher mes 250. Ça se trouve, le TP 1, il aurait fait 300 du coup, euros. Du coup, c'est de l'argent qu'on n'a pas pris, donc il y a 50 euros qu'on ne prend pas. Et en plus, si derrière il y a 100 points qui décalent, parce qu'on est dans la tendance qu'on a un TP2 et un stop sueur, comme je vous montre très souvent, on fait bien plus que ça. Et là, on s'en mord les doigts parce qu'on a pris 300, même pas 250 petits euros, alors que derrière, il y avait peut-être 1200 euros à faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais l'être humain, de base, a tendance à aller du côté en euros, combien ça fait. Donc, c'est voilà, c'est moi mon point de vue. Pour vous éviter d'être sujet aux émotions, pour vous mettre dans la meilleure situation possible, pensez en pourcentage de risque de votre capital et ensuite pensez en termes de scénario. Je pense que c'est important et si ça peut en aider plus d'un, bah c'est partagé avec plaisir. En tout cas, Zachary qui nous dit merci, Jérémy, je t'en prie, Zachary. Christelle qui nous dit, je n'ai pas les Renko, je demandais surtout avec le terminal. Alors non, tu peux pas, hein, justement, avec le terminal, tu peux pas, parce que le terminal, il faut le faire manuellement. Thiago qui nous dit du coup Yann, bah, ça dépend de ton capital, moi je me fixe ça par jour. Yes, ça marche, ça marche. Bah, en tout cas c'est bien ici hein, puisque c'est un objectif aussi qui est réaliste et du coup ça se cumule dans le temps. Après tu as les intérêts composés qui peuvent faire beaucoup. Corsamax qui nous disait on est vraiment devenu accro à ce rendez-vous du matin. Merci beaucoup Corsamax. Ça fait très très plaisir à lire, tu t'en doutes. Contrarien qui nous disait, il vaut mieux éviter de compter en termes d'argent, mais plutôt en pip ou en points. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je disais, contrarien, mais je trouve que le top du top, c'est même en pourcentage du capital et ensuite en scénario pendant qu'on est dans le trade. Après oui, les pips et les points, c'est la base aussi pour référencer un petit peu que tout le monde soit, on va dire, sur un, comment dire,
sur une comparaison, mais vraiment tout dépendra de la valeur qu'on associe au PIP ou au point en question. Yann qui nous est, ok, je comprends que tu veux pas donner le montant de ton capital. Zachary qui nous est, ouais, c'est des infos de toute façon personnelles, ça c'est sûr. Zachary qui disait, dernière question, est-ce que tu es un day trader ou un swing trader? Je suis plutôt day trader. J'ai commencé swing trader, mais je suis plutôt day trader, mais quand même plus actif qu'un vrai day trader. C'est pour ça que voilà, c'est un petit peu du coup. Comment dire, c'est un petit peu plus hybride dans le sens où il y a des fois où je vais quand même prendre beaucoup plus de trades qu'un day trader, mais je ne vais pas pour autant être dans le scalping. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment de l'intraday assez actif, on va dire. On m'a proposé d'ailleurs récemment de trouver un nom à sortir, mais ça pourrait être marrant d'inventer un nouveau nom pour cette approche un petit peu plus hybride. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Yann qui nous disait, je me demande juste à partir de combien il est intéressant vraiment de jouer en bourse, c'est sur tout ça. Alors, il y a deux facteurs, c'est vraiment aussi ton expérience et là où tu en es dans ton trading. Et ensuite seulement, tu peux penser en termes de capitaux suffisants. Et si tu veux, ça devient vraiment un cas par cas dans le sens où ça va dépendre de la méthode que tu utilises, du temps que tu as associé, c'est-à-dire est-ce que tu trades qu'une heure dans ta journée ou est-ce que tu vas pouvoir trader les marchés européens le matin, les marchés américains l'après-midi, les marchés asiatiques le soir. Tu vois, est-ce que ta stratégie est vraiment conçue pour trader plusieurs phases de marché? Parce que si tu as une méthode pour trader les ranges, les tendances, les breakouts, toutes ces choses-là sur plusieurs marchés, ton potentiel du coup est plus important, même avec un peu moins de capitaux. Alors après, bon, si tu as beaucoup de capitaux, forcément c'est exponentiel. Mais tu vois ce que je veux dire. Capé qui nous disait, c'est bien à partir de 100 000 euros en réel, merci. Du coup, nous disait Yann. Il y a des comptes à 100 000 euros en réel, clairement. Hein. Contrarien qui nous disait, pour ma part, des trading plus scalping en couverture. Ça marche, contrarien. Ça marche. Thiago qui disait, du coup, merci Jérémy, plus 0,98%. Je m'arrête pour la journée. Bonne journée à tous. Très bien. Bravo à toi, Thiago. Très, très beau score. Alors, attends, je remonte un petit peu parce que j'avais loupé des passages aussi. Thiago qui nous disait, tout dépend de tes objectifs à prendre ou en vivre. Exactement, exactement. Et après, ça dépend même où tu vis. Si tu es en Thaïlande, tu peux vivre avec 700 euros. Si tu es à New York, par exemple, il faudra bien plus que ça. Guilla qui nous disait, salut, content de vous retrouver. Peux-tu nous parler, s'il te plaît, de l'euro-USD? Alors, on va aller voir l'euro-USD, si tu veux, sur cette fin de séance. L'euro-USD, ce matin, on l'avait vu dans une zone de range sur des graphiques supérieurs. On est en train de tenter la cassure par le haut, mais surtout le test R1 du jour. Les 1,16,10 et cette borne haute qui tourne sur la R1 justement. Donc toujours un trading en range, on n'est pas en journalier dans une très belle tendance baissière. Je vous disais, l'idéal ça serait par exemple de revenir sur une belle zone ici un peu plus haut, hein, clairement en journalier, pour avoir de l'amplitude à jouer aussi sur la poursuite baissière, du moment qu'on a un sommet plus bas que le sommet précédent qui se crée. Mais à l'heure actuelle, on est dans des mouvements de récupération possibles en tentative pour l'instant de casser par le haut. Attention à la résistance 1,16,25 et la résistance 2 du coup des points pivots du jour. En fin de compte, ici, ça a bien monté. Regardez, j'aurais pu facilement tenir la suite ici pour le retest du dernier sommet. Donc c'est là où je vous dis très souvent, zone grise, attention, trading en range, mais ce n'est pas toujours le range que vous avez l'habitude de voir à l'horizontale dans un rectangle. Il y a différents types de range et là, c'était un range un peu plus piégeur. Donc mouvement de récupération du mouvement qui s'est fait quand même. Donc moi, je vous ai fait quand même un petit scénario dedans. Ça m'a permis ensuite de revenir sur le chat avec vous. Amine qui nous disait, merci pour ton analyse. En Renko, il est flagrant le daily. On voit du coup le triangle en daily, pardon, tu voulais dire. On voit le triangle du coup sur le CAC 40. C'est normal, hein, en Renko, tu vas voir beaucoup plus simplement les figures chartistes. Ça va te sauter aux yeux. C'est ce que j'aime aussi dans ce trading Renko, clairement. Donc je partage ton point de vue, c'est sûr. Yann qui nous disait, du coup, je suis perdu avec les termes, lol. Moi, je vois que la baisse et les montées des prix, les termes c'est encore compliqué, mais je regarde attentivement tes graphiques et je regarde bien si tu suis le mouvement, tu perds jamais. Alors si tu veux, tu auras toujours des pertes même quand tu suis bien le mouvement, c'est à dire que tu ne peux pas avoir de 100% de taux de réussite, c'est à dire que tu auras toujours un trade perdant ou deux, etc., selon ton taux de réussite, ta méthode, etc.
Il est important de prendre qu'il n'y a rien de tel que 100% de succès en trading. À partir de là, moi, je suis parti sur le principe que c'est plutôt une approche de probabilité, de statistique qui vont me permettre, du coup, bien d'avoir une méthode qui soit pas discrétionnaire, qui soit carrée, sur laquelle je puisse en fait ensuite vraiment faire travailler la deuxième partie, vraiment qui sera intéressante, la stratégie du money management. Et à partir de là, on peut du coup être dans de très très beaux mouvements si on suit bien les mouvements de marché, si on les comprend bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'on aura 99% de taux de réussite par exemple. Ça c'est très très important à comprendre. Yann qui nous dit du coup, car tu peux mettre automatiquement ta vente ou ton achat. Oui, si tu as toutes les règles que tu peux automatiser, tu peux. Faustin qui nous dit GBP/USD, va-t-il aller casser la résistance H4 ou va-t-il rebondir dessus? GBP/USD, tac, en H4. Alors, faudrait sortir de la zone de range dans laquelle on se trouve et ensuite tester vraiment la R1 et les 1,36. Et on est dans une tendance baissière journalière, donc ce qui serait bien, c'est le rejet si on veut continuer dans ce billet-là. Thiago, alors ça, je l'avais lu du coup. Yann qui nous dit donc le logiciel est top si tu as les yeux rivés dessus. Et mon but, c'est pas d'en vivre, mais d'en faire de faire de belles transformations. Qu'est-ce que tu veux dire du coup, Yann, par de belles transformations? Tu veux peut-être faire te. Bah non, parce que si tu te reconvertis dedans, c'est pour en vivre. Du coup, j'ai pas tout compris, je t'avoue. Xav qui nous disait, Jérémy, tu pourrais aller voir rapidement le NZD CAD. Hop, rapidement, on va voir ça. Et ensuite, on va devoir s'arrêter puisqu'il est déjà 10h06. Alors, il est ici, hop, en M1, ça va pas nous intéresser. On va regarder le journalier. On a fait un double sommet ici, on a réagi, on a cassé par le bas. On revient tester des zones inférieures. Donc là, en fait, si tu veux, tu es dans. En termes de price action, tu es dans une tendance baissière, mais dans tous les cas, tu vas trouver du rebond bientôt dans ces zones-là parce que de 1, tu as un mouvement d'amplitude baissière assez important et de 2, tu as cassé un creux, mais pour autant, tu trouves des zones support. Donc là, c'est en train de se poser la question, est-ce que du coup, on peut rebondir tout de suite ou est-ce qu'on va rebondir sur les creux précédents? Quand tu descends pardon, sur les unités de temps inférieures, par exemple en au-dessus du point pivot du jour, on a commencé à faire une petite théorie d'eau avec un sommet plus haut, des creux plus haut. On est pour l'instant orienté sur plus de hausse que de baisse, du coup étant donné le contexte dont on vient de parler rapidement sur le NZD CAD. Gatazio qui nous disait c'est très calme ce lundi, clairement, clairement. Christina qui nous disait du coup un trader pro c'est 10 à 20 points par jour régulier ou c'est juste une façon de dire Jérémy. Alors difficile si tu veux Christina de faire des généralités, il y a vraiment des tas de choses différentes, des tas de résultats différents. On peut avoir des traders particuliers, oui, qui font 10 à 20 points par jour, qui sont très très lourds sur leur position et qui vont du coup générer beaucoup d'argent juste avec 10 ou 20 points. On va avoir des traders pros qui vont faire une centaine de points par jour, 200 points par jour, mais qui vont être vraiment sur des petites tailles de position et qui vont générer pour autant bien sûr des résultats, mais qui vont devoir prendre beaucoup plus de trades. Si tu veux, voilà, faire des grandes généralités comme ça en trading, je trouve que c'est compliqué puisqu'il y a vraiment beaucoup d'approches différentes, beaucoup de méthodes différentes et beaucoup de gestion aussi de risques différentes à travers les différents types de professionnels auxquels tu as affaire en fait. Diabolou qui nous disait bonjour, à combien vous prenez le point? Alors je réfléchis pas en points, je réfléchis en pourcentage du risque. Donc par exemple, quand je vous ai fait l'exemple tout à l'heure, hop, ici. C'était du 50 € de risque sur cette opportunité-là, mais avec les ratios que j'ai obtenus, j'ai fait plus derrière en fait. Mais moi, c'est vraiment ouais, cette partie-là. Genre, je sais que par exemple, je vais risquer 50 € parce que 50 € ça peut être 1% de mon capital, ça peut être 0,5% de mon capital ou quoi. Et derrière, je n'y pense plus derrière, je ne pense qu'au scénario. Mon TP1, hein, mon TP2. Et en plus, une fois que c'est lancé, il n'y a plus qu'à laisser faire en fait. C'est ça qui est intéressant, on se détache en fait émotionnellement du marché. Janvi qui nous envoie du coup un grand soleil avec du coup deux petits signes, ça fait plaisir. 161 likes, merci à vous tous vraiment pour démarrer cette semaine. Stéphane qui nous dit, moi c'est 100 points du coup par jour, mon objectif. Après j'augmente mes points toutes les semaines, mais 100 points j'arrête, point barre. Ça marche Stéphane, donc plus en mode scalper j'imagine. Tu nous disais. En argent,
je perds en points, je gère. Donc voilà, là c'est vraiment la partie psychologie qui joue. Et donc tu as bien raison de penser en points plutôt qu'en argent. Bon, après, si tu choisis au point en fonction de la valeur que tu fais, vu que tu es scalper, ça a aussi du sens. Moi je réfléchis vraiment en pourcentage. Christina qui nous dit la même chose pour moi, je vois en points. C'est très souvent le cas, hein, c'est très 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 répandu. Contrairement à qui nous dit Stéphane, du coup, c'est exactement ce que je fais, je trouve ça très bien. De bonnes configurations, je vais au-delà ce matin. Objectif atteint sur le dos, bravo à toi. Contrarien. Paul qui nous est du coup, je fais aussi partie des accros du matin. Super Paul, ça fait plaisir, c'est clair. Zachary qui nous est merci pour le live. Bonne journée, je t'en prie Zachary, à demain. Nasser qui nous est comment calculer ton risque ratio pour un money management par trade ou sur ton capital. Alors, tu vas regarder par exemple, et ça ensuite on s'arrête là, hein, mais regarde, imagine tu veux jouer la poursuite par le bas de la résistance. Donc tu veux prendre la cassure ici, tu mesures par exemple ici, tu as à peu près 20 points. Donc si du coup tu te dis que du coup tu veux prendre cette opportunité en cassure par le bas et que tu veux risquer 20 points, tu as juste à allouer en fonction de ton capital. Du coup, donc déjà ici tu peux aller dans le mini terminal avec la touche CTRL de ton clavier, tu cliques ici aussi en même temps dans l'espace flow, tu mets 20, donc ça va être 20 pips ou 20 points. Donc là on est sur le CAC, ça va être du 20 points. Et imagine tu veux risquer 50 euros. Il va te calculer automatiquement le nombre de lots à prendre, l'assistant des traders. Et il va te dire, l'assistant des traders, excusez-moi, le mini terminal en l'occurrence, il va te dire le 2,5, c'est le nombre de lots que tu vas prendre. Ensuite, si je place mon scénario, tu vas voir qu'on va être du coup dans du 50 euros pour du 20 points, tac, ici, 50 euros par là. Et que du coup, eh bien, tu vas pouvoir par exemple la mettre ensuite ton TP de l'autre côté. Et en fonction de là où tu places ton TP, tu as un ratio inférieur à 1 pour 1 ou au-dessus de 1 pour 1. Et du coup, c'est ça qui va jouer aussi sur ensuite les profits que tu seras susceptible de réaliser sur ta position. Donc c'est comme ça que tu vas calculer un petit peu tout ça. Il faut déjà que tu saches un peu avec ton money management ce que tu comptes faire en fait. Si tu comptes risquer 1% de ton capital, 0,5% de ton capital, ce genre de choses. Voilà. Ronan qui nous disait bonjour Jérémy, t'arrives-t-il de trader au carnet d'ordre? Bienvenue à toi Ronan. Alors pas sur CFD, non. Sur les contrats futurs, ça m'arrive, mais sur CFD, non. Puisque ici, tu n'as pas vraiment un carnet d'ordre. Hein. Ce que tu peux avoir, c'est la liquidité et la profondeur du marché chez ton broker en fonction de ses fournisseurs de liquidité. Mais c'est pas comparable pour moi au carnet d'ordre sur marché futur. Yann qui nous est du coup, je veux faire ça 1 heure par jour, comme tu as fait en live à peu près, histoire de commencer bien la journée, lol. Ça marche. Bah, à ce moment-là, voilà, en 1 heure, tu vas du coup devoir avoir une stratégie qui s'adapte aussi bien du coup à différentes conditions de marché si tu veux avoir quand même de quoi faire. C'est-à-dire, si dans ton heure, ton marché il est plutôt en range, il faut que tu puisses l'en profiter. Si tu es en tendance, il faut que tu puisses en profiter. Si tu es en breakout, il faut que tu puisses en profiter, idéalement aussi, tu vois. Donc, voilà, pense bien à ça. L'horaire va être très important. Si c'est par exemple 9h-10h ou si c'est par exemple 8h-9h, ça peut varier aussi. Joko qui nous sortait un nouveau nom, Intrascalp. Pas mal, pas mal, pas mal. Je prends note, je prends note. C'est plutôt pas mal, Joko. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Mais là, on va devoir s'arrêter pour aujourd'hui. On en reparle dès demain si ça vous tente. Mais Yann qui nous dit, écoute, je débute là-dedans. Je regarde tes autres vidéos, nouveau noob. Pas de souci, Yann. En tout cas, tu es au bon endroit. N'hésite pas à poser des questions. On est live tous les matins, 8h30 à 10h. Mira qui nous disait, un swing sharp. Non, ça va pas. Yes, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Un trascal, pour l'instant, j'avoue que ça me plaît plus. Vincent qui nous disait. Alors après, le principe, c'est vraiment aussi d'étudier des vagues. Donc, faudrait voir si on peut caler ça dans le nom. Mais Vince qui nous disait bonjour Jérémy. Bienvenue à toi Vince. Du coup, moi, vu ma stratégie, j'appelle ça de l'intrascalp. Bonne journée à tous. Ça marche. Bah du coup, voilà, comme Joko, c'est bon à savoir. Merci Vince. Michel qui nous est même en day trading, il faut garder un œil sur les bornes hautes et bornes basses pour ne pas prendre des positions trop irréalistes, pas facile. Oui, il faut avoir ses points de repère. Si tu veux, il faut avoir ses points de repère. Moi, j'ai codifié mes points de repère pour me faciliter la tâche et n'avoir qu'un graphique à regarder sur celui que je trade. Donc, par exemple, ici, j'ai pris cette décision uniquement basée sur ce graphique-là. Parce que j'ai toutes mes informations qui sont codées et qui me permettent de l'interpréter en temps réel rapidement et simplement. Yann qui nous dit du coup je vais aller passer mon temps sur ta chaîne et tout reprendre du début. Pas de soucis Yann, n'hésite pas avec plaisir et n'hésite pas si tu as des questions au quotidien justement. Dédé qui nous disait salut, tu fais du descalp. Bah écoute, ça peut être un nom aussi le descalp. Pourquoi pas un mélange entre le day trading et le scalping.
Yes, ça peut tout à fait être ça, en effet. Donc je prends note, hein, intrascalp, descalp. Il y a des idées dans le chat et ça fait plaisir. Merci pour vos partages aussi. Il y a même qui nous disait, je suis pas sûr que vous avez vu ma question, quel marché trader pour un débutant le soir, s'il vous plaît. Alors le soir, du coup, hein, je pars du principe que par exemple tu vis en France, donc tu as des horaires comme nous tous, hein, quasiment. Alors, on a des personnes qui nous suivent un petit peu à droite à gauche et ça fait super plaisir. Mais ici, par exemple, voilà, ce que je dis par là, c'est que le soir, du coup, eh bien, tu auras tout ce qui va être en fonction des horaires, par exemple, de Paris. Tu auras les bourses américaines à trader le soir et tu auras des paires forex libellées, par exemple, en dollars américains, en yens japonais aussi, en dollars canadiens également, que tu pourras trader le soir. Tu vas plus t'orienter vers ces actifs-là que vers des actifs européens qui, eux, auront été tradés et auront donné et fourni des opportunités tout au long de la journée. Tu as besoin de t'orienter sur des actifs qui sont encore dans des heures de bourse ouvertes, hein, et où on a des intervenants associés à ces actifs-là, pardon, qui sont actifs. Capé qui nous est du coup, tu as un descalpeur, Harry, Jérémy. J'adore, énorme, excellent. Descalpeurs, descalp, ouais, intrascalp, ça donne des idées. Hein. Merci en tout cas. On en reparle, hein, du coup, dès demain si vous voulez. Yann qui nous dit transformation, belle performance, bon bénéfice. D'accord, je comprends mieux Yann. Mais du coup, de là à en vivre, il va falloir que je progresse là. Oui, c'est normal, hein, c'est ce qu'il y a de plus dur, puisque on n'oublie pas que le trading est un revenu variable. Contrarien qui nous est Jérémy, j'ai pour l'instant beaucoup de mal à cerner ton Renko, mais c'est peut-être dû aux habitudes sur chandelier japonais. Oui, très certainement, contrarien. Si t'as beau, selon, hein, ton expérience, si tu as 10 ans d'expérience, etc., ça va être plus compliqué parce que tu auras pris tes habitudes et tu auras pris tellement de travail à déchiffrer tes chandeliers japonais que tomber sur un graphique plus simple et qui te montre une représentation quand même différente, ça peut faire ça, hein. C'est normal, ça c'est normal, je le comprends tout à fait. N'hésite pas en tout cas si tu as des questions en particulier par rapport à ça. Birou qui nous disait, salut, c'est quoi les points pivots? C'est un indicateur qui va te mettre du coup sur tes graphiques des résistances, un point pivot central et des supports. Très pratique pour débuter, pour avoir des zones support et résistance très simples à identifier sans savoir tracer des zones support et résistance. Yann qui nous a acheté bas, revendre cher, voilà ce que je veux dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Bien, c'est le principe de trader dans le retracement pour moi. Si tu as une tendance haussière, tu tentes dans le retracement d'acheter bas. Une tendance baissière, tu tentes de vendre haut. Xav qui nous dit merci, Jérémy, passe une bonne journée. Merci à toi aussi, Xav. Félix également, merci pour tes conseils, je t'en prie, avec plaisir. Maxime qui nous disait aussi le DAX 40, 15 032, 15 132, la semaine commence bien. Merci Jérémy, bonne journée à tous, bravo à toi, très beau score Maxime. Yann qui nous dit je te remercie infiniment quand même de prendre le temps de répondre à un débutant comme moi car mon niveau est faible. Il n'y a pas de souci Yann, c'est fait pour ça aussi ces séances, donc il n'y a pas de problème et on recommence demain avec plaisir. Jackie qui nous disait comment tu as su que le DAX allait remonter? C'est l'interprétation du comportement du marché. Si tu veux mes outils qui m'indiquent qu'on est dans des... Hop, qu'on n'est pas dans de la tendance, qu'on est dans des ranges, et je sais que du coup dans le range, tu as différents types de configurations. J'ai utilisé une des types de configurations. Donc ça va aussi avec la compréhension vraiment du système et l'interprétation du comportement du marché. Freddy qui nous disait, et alors je souligne quand même, hein, je ne savais pas que le DAX allait remonter. Personne ne sait ce que le marché va faire. C'est juste, est-ce qu'il y a des probabilités plus élevées pour que ça fasse ça plutôt que ça, selon tel critère, etc. C'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. Mais ça, je pense que tu le sais, Jackie, je le souligne juste pour tout le monde. Freddy qui nous dit 27 points sur le DAX, c'est fini pour moi. Bonne journée à tous, merci pour le live et pouce bleu. Merci beaucoup, Freddy. On est à 169 likes ce matin, ça fait super plaisir. Merci à vous tous d'avoir été présents ce matin. Merci pour vos questions et vos réponses. Vous enrichissez aussi le live, comme je vous le dis très souvent, sinon je m'ennuierai un petit peu tout seul, c'est clair. En tout cas, c'est vraiment top. Merci pour les likes. Ça y est, 170, c'est un nouveau record, je pense, dans cette séance du matin. Le lundi miracle qui nous disait, oui, moi aussi, ça m'avait étonné qu'ils répondent à une quiche Lorraine comme moi. Ah, je réponds à tous, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est tous dans le même bateau. On est tous du coup sur le trading et on cherche tous du coup à développer quelque chose qui nous serve, que ça devienne une passion ou non. On est tous un peu dans le même bateau. Diabolo qui nous disait, pensez-vous que le CAC 40 peut combler son gap? Alors tout est possible, surtout qu'on est quand même revenu plusieurs fois sur le test 6500. Il faudrait vraiment par contre réussir à avoir une belle cassure. Pour l'instant, on est en train quand même sur une nouvelle bougie, hein, ici, c'est une bougie 5 minutes, de marquer un rejet quand même un peu de cette résistance à nouveau. Renan qui nous dit merci beaucoup pour la clarté de tes réponses. Bravo à toi. Merci beaucoup Renan pour ton message.
Pascal qui nous dit voilà, salut à tous, bon trade, bienvenue à toi aussi. Pascal, par contre, on va se quitter, il est déjà 10h20, j'ai dépassé un peu plus que d'habitude, 175 likes, bon, c'est ma récompense en tout cas. Merci à vous tous, Maxime qui nous est des snipers, pas mal, je garde aussi, je note aussi, bien pensé. MM qui nous dit merci pour la réponse, bonne journée Jérémy, et bonne journée à tous, à toi aussi MM. Pierre qui nous disait aussi, bonne journée Jérémy à toi également. TNG également, 175 likes même, merci beaucoup TNG aussi, ça fait très plaisir, j'espère que tu vas bien ce matin. Corsa Max qui nous dit, tu le mérites, merci beaucoup Corsa Max, vraiment. Merci à vous tous. On va se retrouver avec plaisir justement dès demain matin 8h30. On aura l'occasion aussi hein, cette semaine, j'allais dire ce mois-ci, mais cette semaine de se retrouver pour le NFP vendredi. Donc on aura un événement sur le calendrier économique qui nous permet de nous retrouver une fois de plus cette semaine. Tizoum qui nous dit du coup, je ne peux t'écouter car en plein dans de nouvelles stratégies, mes pouces bleus. Merci pour le pouce bleu Tizoum, j'espère que ça se passe bien de ton côté aussi. Très bonne journée à tous et à demain 8h30. Bon trading d'ici là et on revit bien sûr l'open dès demain matin ensemble.